bonjour, bonsoir et bienvenue à la première édition de le GPW sur les ondes de TVC et le gala Résurrection. Oh oui, mon cher TJ, excité de faire partie de la famille de la GPW sur TVC. Incroyable. Écoute, on revient du centre Slush Poppy le 15 juin dernier où c'était un gala incroyable avec des légendes. On sait que Gatineau est une ville haute incroyable pour la lutte professionnelle. Oui. Et durant cette soirée-là, on a eu des légendes telles que Raymond Rougeau, Demolition, Axe et Smash et des combats incroyables. Les Chums ont réussi à remporter les titres par équipe contre les frères Rebelles et leur vilain avocat Oscar. Et aussi, ce soir, les Chums vont défendre ses ceintures contre Excess et Excess Junior For the Glory. Oui. Équipe père et fils. Parlant de légende, il y en a un autre en place ce soir. Là. Oh oui, ce soir, ça va être PCO Stalalalala, ancien champion de la Ring of Honor, superstar de Impact et aussi champion par équipe de la WWF dans les années 90, mon cher TJ. Et dans le main event de la soirée, Thunder va défendre son titre contre Randy Barry. Oui, Thunder qui est récemment champion, qui a battu justement FTM, Frankie the Mobster au centre Slush Puppy. Et parlant du centre Slush Puppy, c'est ce soir que ça commence. La route vers Slush Puppy 2024, excité. Très excité. Et pour commencer le gala, allons voir l'annonceur maison, Éric Lebeau. Bonsoir Buckingham! Allez-vous bien? Allez Buckingham, fais du bruit! Et on te contient, fais du bruit! En avant, on est prêt! Oh yeah, mesdames et messieurs! Bonsoir tout le monde et bienvenue au gala Résurrection. Buckingham, fais du bruit! Au moins vous aviez hâte, hein? Nos galas seront disponibles sur YouTube et TVC Basse la Lièvre dans 2 semaines avec la charmante voix de nos commentateurs TJ Holiday et Marco! Les profits du tirage 50-50 de ce soir iront à Paul et Micheline Potvin, tous deux atteints de cancer et bénévoles à la GPW depuis leur tout début. Le coût des billets est de 3 billets pour 5 $. Nous désirons remercier nos commanditaires, Buckingham Fitness, La Cage de Gatineau, Gym Max, La Maison du Peintre, DG Fissure, Remax, Marc Richard de Remax, Sport Enregistré, Écotone, Chasse et Pêche, Léona, le 147, Glasguy, Chuck Casse-Croûte, Gatineau TV, Sublimation Sport, un partenariat avec nos Olympiques de Gatineau. Notre succès ne serait pas possible sans le soutien de nos commanditaires et de vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Guerre civile 4 sera présentée au centre Slush Puppy le 15 juin prochain. Les billets sont disponibles à partir... Vous êtes en feu, mesdames et messieurs! Alors, les billets seront en vente à partir de ce lundi, à partir de 15 $. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 15 $ aujourd'hui? On peut avoir la coupe de cheveux du DJ, mesdames et messieurs. Seulement ça! Mais la GPW a pensé à vous et on vous offre un gala familial de haute performance pour vous et toute votre famille. Allez sur le site web du centre Slush Puppy pour acheter vos billets ce lundi. Afin de connaître toutes les histoires et interactions entre les lutteurs, rendez-vous sur la page Facebook GPW Wrestling. Du nouveau contenu est publié régulièrement. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de lancer quoi que ce soit sur les lutteurs. Vous pouvez leur crier autant de bêtises que vous voulez ou les encourager. Ceci est un divertissement familial. Soyez respectueux et amusez-vous. Aidez-nous à garder la salle propre. Des poubelles sont disponibles près de vous.
Si vous voulez souligner l'adversaire d'une personne, venez me voir et je m'occuperai du reste. Alors, Buckingham, êtes-vous prêt? Ça commence maintenant! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le commissaire de la GPW, Trey Humongous! Bonsoir, mesdames et messieurs! Et bienvenue au premier gala de la saison! Depuis des années, on vous parle que la GPW a une école de lutte. Je veux vous présenter la relève qu'on vous parle depuis tant longtemps. Elle est là! Livre-là! Des étudiants prêts à se joindre à nos rangs! Donnez-leur une bonne main d'applaudissements! Depuis le temps qu'on vous en parle, on avait hâte d'avoir des preuves concrètes, de vous montrer ce que ça donne. Et, comme qu'on vous le dit, vous allez les voir très bientôt, faire leur preuve dans ce ring! Avez-vous out? Hein? Ça sera pas. À toutes les fois! Si c'est pas les frères Bebel puis ma coquerelle favorite. Je comprends que vous voulez faire bon preuve là. Mais ça vaut pas la peine, là. Pas avec ces deux-là. Là. Faites-moi confiance là-dessus. Qu'est-ce que tu fais ici, encore? Là, on se tait quand je parle. Là, on veut un match revanche contre les chums, puis on le veut maintenant. Fait que là, eux autres, là, je sais pas c'est qui, là, on les connaît même pas. C'est nous autres ici qui mènent le bal. C'est drôle. Sur le contrat de la GPW, c'est moi le commissionnaire, pas toi les lunettes. Puis tu vas faire comme n'importe quel autre tag team. Puis tu vas remonter l'échelle avec tes deux goons. Hey, ça va faire, toi. Non, man, tu veux pas avoir ça. Non. Oui, c'est lui. Une chose. Comme, fais-moi confiance, là, OK? Une chose. Je comprends que tu veux faire tes preuves, là.
Non, 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 wow! Ah. M'a te le réglé ton compte avant longtemps. C'est un match? Oui. Encore là, faut pas juger le livre, hein? On sait jamais, ils peuvent être surprendre les frères rebelles. On s'en quand même en lendemain de veille de leur et voilà. De titre. Le code de l'honneur. Oh, et c'était respecté par Crusher, oui. Surprenant. Ouais, mais non. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait les choses à Gatineau et Buckingham. Il y a un gars Soura, je crois, là-dessus, parce que. Et voilà, on a maintenant Crusher, qui en a rien avec James Hunter, si je me trompe pas. Une autre fois, une autre poignée de main encore. Bon, et voilà. Évidemment, corde à linge, en traître. On ne s'attendre à rien de moins que quelqu'un qui est représenté par un avocat. Coup de poing en plein sur le front. Et là, il est au sol, M. Hunter. Tout à fait légal. Tout est légal jusqu'à maintenant. Oh ouais, en effet, tout est légal, mais ça peut changer vite. Oh! Coup de force brute! Monsieur Hunter tombe d'aplomb sur le tapis. Wow! Attends, maintenant, Marco, je te mets dans les souliers des oui. Jeunes recrues. C'est quoi ta stratégie contre deux vétérans comme Picton et Crusher? Sors du ring, cours, sauve-toi. Aucune chance. Bon. Ils n'ont aucune chance contre les frères rebelles. Écoute. Je te connais bien. Je comprends même pas pourquoi ils ont accepté le match. Regarde ça. Oh. Le ring a bougé au moins 3 pouces là-dessus. Là. Ouais, 2,5, là, exagère pas. Là. Et là, maintenant, l'avantage pour les frères rebelles, évidemment, c'est pas les chums, hein, on se le cachera pas, les chums qu'ils ont battus, comme j'ai répété tantôt, pour les ouais. Titres par équipe. Évidemment, les chums composés de Lance, le Top Cop, là, et Casey the Crow Katana, qui seront là ce soir pour affronter For the Glory. Pendant que Crusher écrase Hunter dans le coin. Et là, je me demande combien de temps Crusher va faire durer le plaisir. Par contre, faudrait pas trop prendre son temps. Parce que ça pourrait peut-être leur coûter le momentum. Comme j'ai dit tantôt, faut pas prendre les recrues à la légère parce qu'ils commencent dans le business. Faut attention. Oh! Ah, voilà. Un coup de pied en pleine poire envoie Hunter au sol. Un, deux. Et c'est terminé. Et non, oh! Dégagement. La botte 13 en plein. Là, sur la mâchoire. Là, tu feras pas 1, 2, 3 tous les fois, puis quand c'est pas le cas. Là. Ben, c'était proche, là. Ouais. On va te le donner. Coup de poing. Hunter revient. Atemi. Crusher is. Oh mon Dieu! Oh! 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 Quelle force! L'échappée Samoan! Quelle force! Wow! Incroyable là-dessus! Oh! Quelle de force! Le Samoan drop en anglais. Oh non, allez! Est-ce que le relais va se faire à M. Rush et M. Picton? Oh, et là, on voit que Picton et plutôt M. Rush prend son temps. Et c'est de bonne guerre parce que Picton est vraiment une pièce d'homme. Oh là là! Picton, nullement impressionné, c'est comme s'il voyait son déjeuner à chaque matin. En tout cas, si l'enfant ne skippe pas, c'est bien son déjeuner à grandeur qu'il a. Atemi! Yes. Le sourire au visage. Oh! Aïe, aïe, aïe. Mâchoire disloquée. Je sais pas si c'était mes écouteurs, mais j'ai rien entendu de la Témie. Non, c'est pas des écouteurs, malheureusement. La Témie de Rush, la chop, aucun effet sur Picton. Maintenant, la prise de l'ours. Qu'est-ce que Rush va faire pour s'en sortir? Et non, c'est pas assez. Encore un peu plus de pression. Et on le met la poupée. Comme une plus grande poupée. Et il l'amène dans le coin. Puis c'est qu'est-ce qu'il a dit quand il l'a brassé, la poupée? Non. Non, 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 non. Bon. Commence bien. Des coups dans le coin de Crusher, de Picton. Oh là là. Je pense qu'on va arrêter le combat. Pendant que Picton crie des insultes à M. Rush. Puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai plus l'impression que Picton
voit Katana puis Lance là quand il frappe la jeune recrue que la jeune recrue lui-même. C'est possible. Là, il joue un peu trop avec sa proie, M. Picton. Pendant que la foule est derrière Rush Hunter. Oh là 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 là! La boulette de spaghetti, troisième rangée, mesdames, messieurs. En tout cas, on parlait de déjeuner tantôt, mais s'il y en avait un, là, il n'est plus là. Oh là là. Évidemment, Picton est dans le siège du conducteur en ce moment. Il n'aura pas besoin d'être anglais, voyons donc. Le commissaire parlait de relève tantôt. La relève a été détruite, mesdames, messieurs. Il va falloir qu'il se relève après ça, je pense, parce que ça va mal. On va aller regarder le commissaire et Oscar en bas du ring qui s'assine à qui mieux. Je comprends le commissaire de checker William Oscar L. Freeman à l'œil parce que je dirais pas le mot en C, mais c'en est tout un. Un vrai professeur pour ses élèves. Oui, en effet. Tu parlais du commissaire, par contre. Ah, d'accord. Oh là là. Et là, on rit carrément de Rush avec des claques au visage de Picton. Oh! Est-ce qu'il va y avoir un autre? Oh! C'est pas correct, ça. Des restants de dégoût humain. Il fait le double de lui, puis il trouve le moyen de l'insulter comme ça. Il court vers lui. Oh! Un drop kick dans le genou. Oh non. La face première dans le coin. Et là, Rush est... Attention, Picton! Montée d'adrénaline pour Rush. Un coup de pied, c'est bloqué. Oh, une ségurie derrière la tête. Et là, Picton est sonné. Il faut en profiter pour capitaliser pour Rush. Là. Ah, là, l'arbitre devrait aller voir si Picton est correct. Ben oui. Dans le coin. Oh, un coup, un uppercut européen. Un autre coup de pied dans le ventre. Oh. Oh, un DDT. Non. Picton a mis le genou à terre. Amorti le... Il descend de la cuisse. Comme Hogan en 84. Oh, même pas un. Un compte de un seulement. Même pas un. Et t'as vu l'intelligence de Picton sur le move? Oh! Descendre de la cuisse derrière la tête. Un famouser. Un. Toujours un compte de un. Il va falloir plus que ça, je pense. Picton a mis son genou à terre pour amortir la chute. Donc, ça n'a pas eu l'effet escompté. Tu savais ce qui allait se passer? Ça, c'est signe d'un ancien champion et d'un futur champion par équipe, surtout. Et là, Rush est sur le troisième câble. Il est en haut. Un saut. Oh, il est attrapé par Picton aisément. Et voilà, la poupée. Et là, une répétition de gym pour lui, là. Il joue avec, totalement. Oh, et un brise-côte. Franchement. Et là, on lève, donc ça fait un brise-côte levé, mon cher TJ. Là, ils font durer le plaisir. S'ils veulent finir le match, qu'ils le finissent tout de suite, là. Oh! Un four-way slam. Il l'a complètement garoché d'un bord du ring à l'autre. Un vol aller-retour. Oui, plus aller. Et là, Hunter attendait de foncer sur Picton, mais avec les résultats qu'on peut se douter. Il le lance par sa troisième câble. Oh non, il tient bon. Uh-oh. Un peu à la Shawn Michaels, à la Ricky Steamboat. Ouais, sauf que Shawn Michaels, lui, est venu dans le ring. On n'a pas le... Non. Parce qu'on va avoir la caisse de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une caisse de 12. Et je ne sais pas si tu as remarqué, l'arbitre n'a même pas fait le décompte avec Picton, le laisser faire tellement qu'il est intimidé. Ça doit être ça, surtout que depuis que l'arbitre a été licencié à cause du résultat de Flash Poppy à Guerre Civile 3. Exact. Il surveille ses arrières, l'arbitre. Puis ça, c'est l'excellent travail d'Oscar qui surveille ses poulains. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas fait dans les règles, c'est terminé. Un vrai Ross, William Oscar Freeman. Sois poli. Je suis poli. Je pourrais dire pire. Aïe, un autre atémi sur Hunter. Wow! Là, par exemple, comme je disais tantôt, là, ils jouent un peu avec leur proie. Là. Ouais. S'ils peuvent gagner le combat, qu'ils arrêtent de jouer avec la poque, comme qu'ils disent. Ils s'amusent, là. C'est justement, faut pas s'amuser, il faut gagner un match de lutte. Là. Ils pêchent le poisson puis ils le remettent à l'eau. C'est ça qui arrive. Ça doit être ça, hein? Et là, les deux sont en même temps. Faudra que. Oh! Mais non! Oh, il l'amène dans le ring! Est-ce qu'on va avoir un chokeslam? Chokeslam et écrasement total de Hunter! Écrasement des vertèbres! Et là, les deux en même temps. Un 2-1 sur le partenaire! C'est terminé! Et il les a mis un par-dessus l'autre. Un, deux et trois. Les frères rebelles remportent le combat. Sans aucune surprise, mon cher TJ.
tout un combat que les frères Rebel nous ont offert. Mais il y a du potentiel du côté de Hunter et Rush, par exemple. Là. Ça n'a pas été facile contre un monde comme Picton et Crusher. Là. Évidemment, le combat est terminé, fait qu'ils vont continuer de tabasser les recrues. On pensait gagner un combat d'autre pour les mal gagner après. Fait que les élèves, vous allez pouvoir retourner à votre table à dessin parce que l'école n'est pas terminée pour vous. Ouais, mais c'est pas une affaire à faire avec des jeunes lutteurs comme ça. Là, le bon, Oscar Freeman a un contrat à la main. Ouais, on veut lancer un message clair aux chums, je pense. Là. C'est l'intention des frères rebelles et de Oscar. Le message ne doit pas être lancé vers les recrues, ça devrait être lancé vers les chums, justement. Et là, non, faut qu'ils continuent à tabasser les deux. C'est pas assez qu'ils font 500 livres de plus que les deux mis ensemble. Ce qui arrive quand t'as pas d'amis dans la business, ben personne vient t'aider, mon cher TD. Non, mais c'est pas correct, ça. Y'a personne en arrière qui veut venir? Non. On va y aller, moi. Non, tu restes assis ici. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors, il lance voilà. L'arbitre. En plus, c'est vrai, il y a pas les arbitres, les autres. Un arbitre de moins dans le... Il devrait faire ça avec Freeman à la place. Et voilà, le contrat est signé. Mais voyons donc. Le match de championnat, je pense, les rebelles vont affronter à nouveau les chums pour le championnat par équipe dans une date qui reste à confirmer. Date ultérieure. Bien mérité. Non, bon, évidemment. Hein. Et voilà. Voyons donc. Ils ont fait leur preuve ce soir, je pense. Tout ça correct. Oui. Écoute. Oh! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Non! Mais non! Non! Oh! La rumeur était vraie! Le Frankenstein! PCO est dans la place à Buckingham pour la GPW! Incroyable! Le PCO vétéran de plusieurs années, évidemment, avec WWF, Ring of Honor et Impact Wrestling. Mais qu'est-ce que PCO a d'affaire à se mêler à ce combat-là, DJ? Moi, je trouve que c'est correct, le combat est terminé depuis des luttes. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais! Non! Non! Oh, 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 oh! Non, non, non! Sure, il y en a eu d'autres, évidemment aussi. PCO, ça se passe, ça se fait des recettes de cuisine. Oh. Et là, on s'attaque, oh, oh. Et ça se frappe à qui mieux mieux. PCO, de retour. Oh, close line, belle corde à linge. Oh, Picton de dos. Une atémie, c'est bloqué. Oh, une autre de PCO. Et il l'amène, oh, il donne sa façon de passer. Et là, il goûte à leur propre médecine, là, les frères rebelles. Là. Tant mieux. Et un autre chop! Et là, on parle d'un ancien champion du monde! Oh! Et ces chops-là rentrent! Évidemment, il a été tôt à tôt avec Walter, qui est Gunter à WWE maintenant, avec des chops de ce style. C'est pas humain, ça! Non! Oh! Oh, les Kawada chops! Ici, oh, une dernière! Timber! PCO Style à la Light qui est présent. C'est ce que j'appelle la justice. Comment commencer une saison en force, mon cher TJ? PCO est en place. Et c'est seulement que le premier combat. Imagine. Wow! Mais par contre, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que PCO a d'affaire à venir de se mêler du travail et de la business? Ben, un rebelle. Je trouve qu'il a bien fait parce que les jeunes avaient l'air à être partis. Pour le dernier match de leur carrière, je pense. Je respecte la légende, mais je respecte pas ce qu'ils viennent de faire aux frères rebelles. Mesdames et messieurs, PCO! C'est comme ça qu'on commence une direction, mesdames et messieurs, en force. Avec quel accueil, mon frère! Quel accueil, wow! Écoute, même si je suis pas d'accord avec ce que PCO vient de faire, on est chanceux pour notre première fois à la télévision de pouvoir décrire l'arrivée de PCO qui est de retour au Québec, mon cher. Et on a vu en grandissant comme dans la lutte. Hein? Oui, un idole de jeunesse. Dans les 90. Exact. Et là, évidemment, mesdames et messieurs, on a eu tout un combat avec les Justin Rush et James Hunter qui ont malheureusement été pas de taille, littéralement, contre c'est Picton et Crusher. Et là, on a quelque chose de très spécial. Voilà la division féminine de la GPW. L'ancienne championne qui va être présente ce soir. Oui, évidemment, la Melanie Havoc qui va affronter Cici Glavis, la Venezuelan Vixen.
qu'on est là pour le prochain combat. Évidemment, vous le voyez à l'écran en ce moment. Cici Galavis, comme l'année avec du monde qui sont affrontés à Slush Poppy oui. dans le Gauntlet match pour devenir la championne féminine. Match qui a été remporté par Nova. Oui. Arbitré par René Bastien. Et voici M. Lebeau pour le deuxième combat de la soirée. Elle nous vient de Caracas, au Venezuela. Mesdames et messieurs, Cici Galavis! Cici Galavis qui lutte depuis très longtemps dans la lutte, depuis 8 ans. Elle a lutté partout en Ontario et au Canada. C'est une vétérante. L'année à vue, elle a lutté partout qu'elle a été. C'est vraiment quelqu'un que la foule à la WWE adore. Dans plusieurs promotions différentes. Donc oui, Cici a plus d'expérience, mais Mélanie Havuk a eu l'or autour de la taille beaucoup plus souvent que son adversaire. Donc, à surveiller. Oui. En parlant de Mélanie Havuk, c'est la prochaine à faire son entrée à l'arène. Gardons qu'à avoir une innovation. Son adversaire, elle nous vient de Laval. Mélanie Havuk! Favori de la foule, Mélanie Havuk. Oh, et la foule est debout. Wow. Et Mélanie Havuk a vraiment gagné en popularité depuis 2 ans. Là. C'est exponentiel le nombre de fans qu'elle a à travers la région. Puis, regardez-la parce qu'elle a fait des apparitions un peu partout. Je crois que les gens de la GPW vont peut-être la revoir, même si je prépare toujours Cici la revoir avec la ceinture autour de la taille. C'est ça, Mélanie Havuk. Et voilà. Bon, évidemment. Et la réponse que je m'attendais. Mélanie va emboîter le pas et faire la même chose. Elle n'a pas besoin, je pense. J'ai l'impression que la foule a déjà fait son choix. Et voilà, l'ovation. Ah, oh, évidemment, pas capable d'accepter la défaite, d'être moins populaire. Fait qu'on fait ça. Et là, et voilà. La cloche est sonnée, mesdames et messieurs. Havuk est dans le coin, à la merci de Galavis. Chose que je suis pas content avec, certains lutteurs ce soir, c'est qu'ils donnent beaucoup trop de temps à leur adversaire pour peut-être prendre l'avantage. Oui, les natifs de Caracas au Venezuela, Mme Galavis a attaqué malheureusement avec, mais comme tu as dit, elle a comme laissé un peu d'espace à oui. avec. Vous êtes peut-être renversé avec une torsion du bras à Mme Havuk. Oh! Arm drag pour sortir du pétrin. Et voilà. Je rappelle, Mélanie Havuk a été dans des matchs beaucoup plus importants que son adversaire, des matchs cruciaux, des matchs de championnat. Ça fait toute la différence dans une carrière. Oui, elle a affronté beaucoup de monde de renommée internationale aussi. Oui. Pas juste du monde d'ici. Oui. Voilà, Mélanie Havuk et avec une prise de tête à Cici Galavis. Puis tu parlais de monde à l'international. Elle a affronté Veda Scott, elle a affronté Ruby Soho également. Oui, exactement. C'est pas rien, Ruby Soho qui est une vedette de la division féminine de la AEW aux États-Unis. Oui. Là, maintenant, c'est Galavis avec la prise de tête. On va essayer d'y arracher complètement.
Protection dans les câbles. Et on arrive... Oh! Coup de bélier! Saut par-dessus. Un saut de mouton peut-être. Et non! Et un arm drag hip toss! Un bras à la volée! Et un autre! Et un autre! Et là, elle va dans les voiles, Madame Havoc. Non, c'est les cheveux. Ouais, ouais, c'est ça. Et drop kick qui l'amène dans le coin, un show chassé. Oh! Et là, elle est placée. Dans le pétrin. Oh, oh! Les double coup de genou, la météorite! Oh, wow! Et c'est le tombé 1, 2, wow. Et dégagement de 2. J'étais même pas inquiet, je me suis même pas levé de mon siège. Non, moi non plus, mais ça, on sait jamais dans le monde de la lutte. Des fois, des surprises, ça arrive sur n'importe quelle prise. D'ailleurs, tu parlais de Mme Sissi, de où elle venait tantôt. Oui. Oui. Je pense booker mes prochaines vacances dans ce coin-là de pays. C'est vrai, t'es pas mal bronzé, pas mal, toi, je trouve. Oui. Pendant que maintenant, Galavis avec au tapis. Pendant qu'elle lui crie des bêtises. Ils font du trash talk, comme qu'ils appellent. La fausse contre Mélanie. L'arbitre semble déranger le travail de Cici là, en ce moment. Elle est trop proche de l'action. Ben, c'est sa job ou à l'arbitre d'être à la bonne place au bon moment, fait que c'est correct. Je regarderai le bras. Peut-être que. Oh! Elle a abdiqué, non? Non. OK. Elle n'a pas abdiqué. Elle demande à la foule de l'applaudir pour l'encourager. Probablement plus un souhait que la réalité. Non. Mélanie Havoc, je pense qu'elle peut avoir la foule derrière elle quand elle veut. Et l'amène au sol. Oh là là. Et beaucoup de elle a beaucoup tiré les cheveux là-dessus. Et un coup de pied sur la poitrine. Descente du coude. Et elle continue l'assaut avec d'autres descentes du coude. Dans le monde de la lutte, ça peut être un désavantage d'avoir les cheveux longs. Oui, c'est vrai. Et un autre coup de coude. Ah, c'est terminé. Un, deux, trois. Mais voyons, toi. T'es sûr? T'es sûr? Ben. Bon, t'as le droit. Bref, et là, Galavis est pas contente. Elle pensait que c'était 3 comme toi. Et voilà. Oh, coup de pied, c'est bloqué. Roll up. Un. Elle est pas levée. Elle l'a vu, comme toi. Des coups d'avant-bras pleuvent à la tête de Galavis. Dans le coin. Et le momentum de. Ah, elle s'enlève du chemin. Elle retourne. Oh, un coup de pied circulaire. Il y a quelque chose qui circule plus, c'est le sang dans le corps de Mélanie Havoc. Oui, mais il suffit juste d'un renversement et d'un renversement de situation pour que ça change du bord de Mélanie Havoc, comme ça. Et là, l'étrangle avec son pied, avec sa grande portée, c'est quelque chose qui fait pas du bien. Pendant que Havoc est sonné et l'amène dans le coin. Oh, jusqu'à 10. L'arbitre ne fait pas un compte de 5, par exemple, pas supposé. Pourquoi? Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Ben, ils sont dans le coin. Ça fait partie du ring, hein? Utilise le ring. Ben, toi, commence pas avec le ring. Là. Et là, sur le, voilà. Le deuxième point, maintenant. Si elle n'avait pas soupé, c'est maintenant fait. C'est pas George Animal Steel, puis là, voyons. Souplesse! Et voilà! Bien exécuté! C'est terminé! Putain, tu gagnes de l'argent sur le match, toi? Un, deux! Compte de deux. C'était proche. Faut que tu te calmes, toi, là. C'était vraiment proche. Arrête le café, là. Là, Havoc tente de se relever dans les cordes. Pendant que, évidemment, la foule scande son nom. La foule, ils croient pas vraiment. Tu peux savoir ça en leur nom, toi. Oui. Ah! Corde à linge! Locké! Oh! Oh! Un side slam! Un, deux, dégagement de Havoc. J'aime la stratégie de compter le plus souvent possible parce qu'après chaque manœuvre, on ne sait jamais si on peut avoir la victoire ou pas. Et ça fatigue l'adversaire aussi. Exact. Oh, wow! Genre de roll-up avec... Non! Oh! Ça a une soumission dans les câbles. Et un genre de ankle lock, un brise-cheville. Et là, l'arbitre qui va peut-être même coûter la victoire là, à Gavarlis. Ben voyons donc. Ben oui! Ben, dans les câbles, c'est quoi le reste? Elle avait tapé, il avait son visage de l'autre côté. L'arbitre ne fait pas son travail. Elle je crois pas... que... Il est où, Oscar? Elle n'a pas tapé. Oscar est occupé, là. Il a eu ce qu'il voulait avec son contrat pour les frères rebelles, là. C'est tranquille un peu. Coup de pied, bloqué. Oh, Enziguri, comme dans le premier match, mais c'était... C'est baissé, Madame Havoc, là-dessus. Galavis, tente un coup.
renversé, coup de pied dans le ventre. Oh, un genre de cutter, un stunner. Mais trop fatigué pour capitaliser là-dessus. Une manœuvre qui ressemble étrangement au coupe diamant de l'ancien WCW Superstar et WWE, Diamond Dallas Page. La crasse. Donc, les deux sont au tapis maintenant, les deux. Pendant que l'arbitre fait son décompte. Rendu à 5. Rendu à 6. Est-ce qu'on va avoir un double décompte? Les deux se relèvent tranquillement. Le match, ça fait au moins 5 minutes qu'il dure, puis là, ça commence à être fatigué, eux autres-là. Là. Un coup d'avant-bras solide. Et la réplique. Un autre. Là, ça va à qui mieux. Là, ils font la balançoire. Uh-oh. Oh, Natemi. Oh là là. Ça fait shaker mon casque d'écoute. Et là, Mélanie Havoc. Oh! Quelle puissance! Faut que j'y donne. Oui, beaucoup de force derrière cette Atemi-là. Oh, 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 TJ! Les Atemi à répétition, là. Le Galavis est sonné dans le coin. Alors, Galavis est dans le trouble. Petite roulade. Oh, un splash dans le coin. Et un coup de coude, et maintenant, Havoc s'en va à l'extérieur du ring. Tire le pied de Galavis. Et Mélanie Havoc utilise tout le ring qu'elle a à sa disposition. C'est elle travaille de façon très intelligente. Ouais. Uh-oh. Elle est à la bonne école. C'est la fin. Oh, un double stomp dans le dos. Est-ce que c'est la fin pour vrai? Un, deux, et... Oh! Là, tu ne dis pas que c'était proche, là. Écoute... J'y croyais pas, mais ouf! J'ai eu peur. La crise de cœur était proche. Tu devrais y croire parce qu'Havoc est capable de battre n'importe qui, n'importe quand. Ouais, il faut que je te le donne par contre. Ouais, merci. De rien. Parfait. Et voilà, Havoc est maintenant à l'avantage pendant que Galavis s'est penché. Oh, un coup de pied derrière la tête! Et c'est suivi. Oh non. Est-ce qu'elle va faire son. Non, c'est bloqué. Et ça donne des coups de coude pour s'en sortir, Galavis. La pousse plus loin, coupé dans le ventre. Et là, l'Ensiguri est réussi derrière la tête d'Havoc. Oh, là, c'est la fin. Là, c'est la fin. Et voilà. Et là, le momentum change de à qui mieux dans ce combat-là. Ça va d'un bord puis de l'autre. Dans le coin, c'est renversé par Havoc. Qui revient. Elle sort du ring, du coin. Des coups derrière la tête. Est-ce qu'on va avoir une souplesse arrière? Oh! Et c'est réussi. La chute. Et voilà. 1, 2, et 3. Bon! Ça aussi, c'était proche, vrai, là. Et tu sais pourquoi je suis tant excité? C'est que la gagnante de ce match-là va peut-être avoir son ticket directement pour un combat de championnat contre la championne Nova prochainement. Gageant que Nova, même si c'est pas là ce soir à l'aréna, elle va regarder le match sur TVC. Oui. Pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les aspirantes. Ah oh, oui, fort probablement. Mais c'est de voir. Est-ce qu'on va voir le Desecrator, son DDT avec le bras attaché? Oh! Boulade d'avec pour s'en sortir! Oh, Fireman's Carry. Oh, oh. On va faire un petit... Oh, non, non. Oh, non, c'est... bras, les anneaux de Saturne. Les anneaux d'Havoc. Oh, ouais, c'est terminé. Elle abdique, elle tape. L'arbitre, c'est terminé. Oh, et là... Toute une victoire pour Havoc. Et là, mon cher TJ, Mélanie Havoc lance directement un message à Nova que j'étais l'ancienne championne et je veux une autre chance à cette ceinture-là. Donc on voit la poule ici à Gatineau, à Buckingham, qui est en feu pour Mélanie. Complètement mérité, comme tu as dit. Puis évidemment, ben, ça la met un pas de plus pour challenger la championne Nova. Et elle semble avoir sorti de ce combat-là un peu amoché, Mélanie Havoc. Oui. Ça, l'honneur de Galavis, elle a donné toute une performance parce qu'elle gagnait le combat. Mais malheureusement pour elle, c'est Havoc qui ressort avec le gros morceau de chèque. Winners first. Oh, et là. Milieu de winning. S'élève. Et tiens, c'est con, tu penses que ce match-là va laisser séquelles pour ses prochains matchs à la GPW? Pour l'instant, pour ce qui compte, ce soir, victorieuse, Mélanie Havoc. Donc, mon frère TJ, chers amateurs de la GPW. Fait chaud, là. Oui, soyez aux aguets parce que Nova contre Mélanie Havoc pour le titre féminin, je pense que ça s'en vient. Il va falloir rester aux aguets. J'ai bien hâte de voir ce combat-là à nouveau en 1 contre 1.
Il manquait pas grand-chose à Galavis non plus pour avoir la victoire ce soir. Là. Elle avait un bon plan de match. La lutte située au 208 rue Sauvé dans le secteur. Par un match contre Nova pour le championnat féminin de la GPW LPG. Vous allez voir évidemment sur nos ondes à TVC très bientôt. Oui, une division féminine très relevée. Oui, c'est une division de renom qui prend beaucoup de galons à tous les galas qu'on fait à la GPW. Fait que c'est intéressant de voir les prochains mois qu'est-ce qu'il va y avoir exact. Avec elle. Le prochain combat, arbitré par Mathieu Lachoire. Oh, ici on a un face-à-face avec, comment on peut appeler ces personnages-là, Marco? Ben, Askar King et le Joker, donc là, on va rentrer peut-être dans un univers qu'on n'est pas habitué de voir habituellement. Il nous vient du Buckingham Circus of Sins, pesant un poids inconnu. Dans le ring. Joker Justin Sane! C'est pas un cirque avec, avec Joker, c'en est un cirque, la lutte. Là. Puis Askar King, qui, on dirait que c'est pas un changement de cap. Oui! Ben, il revient aux sources directement du paradis des Vikings, du Valhalla. Donc, bien hâte de voir son début. Et là, et voilà, l'entrée du Joker qui... On appelle ça chat. Oh, je sais pas. Mais oh, très divertissant. Oui, donc, il accroche au look, faire Joker. Je viens de trouver le cadeau d'anniversaire de ma fille. Je pense pas qu'elle va aimer ça. Populaire auprès des fans. Comme on a dit, Askar King, l'ancien J-Ro. Oui. Évidemment, ce sera pas un défi de taille pour le Joker. J'espère qu'il n'y a pas trop de joke le Joker parce qu'il va apprendre qu'un homme comme Askar King peut faire la figure facilement. Oui, je pense que justement Askar King va revenir avec une nouvelle énergie, une nouvelle vision et surtout un but ultime. D'être le nouveau champion de la GPW dans le futur. En tout cas, il y a des contenders pour le titre, c'est sûr et certain, avec la grandeur et la grosseur qu'il y a, parce que c'est tout un lutteur en plus. Il commence, ça fait pas longtemps qu'il lutte en plus, Jero. Ça fait beaucoup d'années, puis c'est une toile montante, ouais. Non seulement à la GPW, mais à la lutte au Québec aussi. Très populaire. À la GPW, pesant 275 livres, Askar King! Oui. Joker à Askar King, tout d'un coup, ça change la donne. Le temps d'ambiance à faire glacer le sang. Et je ne mentirai pas. Je suis pas bien dans ma voix en ce moment. C'est correct, je suis là. Je suis pas tarif. Ouais, peut-être pas finalement. Oh là là. Je regarde aller, puis peut-être que s'il arrive en haut, je m'en vais laisser tout seul. Impressionnant. Ouais, maintenant c'est Askar King, nous avons pointé la fin de sa carrière, avec des changements de cap si on veut. C'est quoi qui a enclenché ce changement majeur pour le Jero? Écoute, il y a eu ses ennuis, hein? Il y a eu ses ennuis avec les frères rebelles dans le passé. On a pu le voir là, sur quelques propos. On a pu voir encore Askar se faire aller un peu la trappe sur les internets qu'on cherche d'idées. Oui, et là, il revient avec une nouvelle énergie. Et, écoute, je déteste pas les jokers pour les clowns, mais là, je pense que ça va être sa fête. Oui, il va manger le gâteau de travers, je pense. Il est impatient, par exemple, Joker. Il va falloir avoir peur, là, à Skirt Kick, mais je pense que ça va être changé. Il va être face à la face avec. Impressionnant. Mon casque a pensé un petit peu à Vader dans le temps aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Surtout dans le temps de la New Japan Pro Wrestling. Oui, oui, oui. En effet, puis le WCW aussi, il avait son casque, puis il avait la pipée qui sortait. Oui. Pas juste ça, il est fou. Le Joker aussi, il est fou un peu. On va voir si c'est assez fou pour battre Askar King. Son premier match, comme on vient de dire, en tant qu'Askar King. Fait que ça surveillait, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des Vikings, mais je donne pas cher de la peau du Joker parce que des travailleurs de main, des bûcherons, puis ils reculent surtout devant rien, ces Vikings. Oui, ils sont peur de rien.
Et là, la foule est dedans, là. La foule applaudit. Et je suis prêt à parier beaucoup de trucs comme quoi c'est notre prochain champion GPW. C'est très, très possible. Je ne garderai pas un petit 2 là-dessus, mais on ne sait jamais. Moi, j'aime pas ça gager. Je perds tout le temps. Contact! Il l'amène dans le coin. Pas de tirage de cheveux. Quand même poli. C'est la force brute qui l'a mis dans le coin cette fois-ci. Il doit pas être évident de lutter en robe, par contre. Hein? Non, il doit pas être évident, mais j'ai jamais essayé. Fait que je pourrais pas te dire. De retour dans le milieu du ring. Même résultat que tantôt. Oh. Et bonjour Toto. Il le met sur le coin. Il ne semble pas vouloir y aller de oh manœuvre. C'est peut-être pas intelligent de faire ça dans le dos de Jero, de Asker King. Parce que il va y faire payer. Des coups dans la jambe, dans les câbles. Coup de bélier, mais il bouge même pas d'un centimètre. Non. Là, erreur. Tu peux pas y aller force contre force. Là. Non, faut que tu ailles avec ta vitesse, faut que tu ailles avec les soumissions, faut que tu ailles avec d'autres choses. Là, et voilà. Ça marche pas. Ouais. Mettons que l'impact était fort dans le ventre de M. Asker King. Pousse dans le coin. Oh, il fait trébucher. Il pousse dans le coin. Il va... Ouais, là, il va falloir qu'il trouve autre chose que ses passe-passe de ballon pour remporter ce match-là. Il faudrait qu'il va faire un petit chien. Oh, il y a un bulldog, la deuxième câble sur Asker King. Et le Joker... on va la mettre de se tasser. Et un autre bulldog, encore une fois. Ouais, un bulldog, mais j'ai l'impression que son chien va être mort dans pas long. C'était plus un caniche qu'un bulldog, je pense. Et là, il se doute de rien, Joker, mais Asker King est derrière lui. Et là, il demande pardon. Oh non! Mais voilà, il utilise sa vitesse. Et là, il va d'un plan de match. Une chance, parce que sinon... je pense que son maquillage aurait coulé. Ça aussi, c'est pas très intelligent, malheureusement. Un manque de respect total. On est placé quand même haut là, pour les coups, on le ressent quand même. Fait que, imaginez donc dans le... Aïe! Il le lance d'un bord de l'autre du ring. Et là, il faut qu'il se regroupe, Joker. C'est le troisième match qu'on a ce soir. Je peux vous dire que c'est le match qui cogne le plus fort parce qu'on le ressent jusqu'à la galerie en haut. Oui. Et je donne pas cher de la peau du Joker là, dans ce combat-là. J'espère qu'il y a des bons trucs de magie parce que sinon, il va être dans le pétrin assez vite. Son meilleur truc serait peut-être de disparaître. Ouais. Il remonte dans le ring tranquillement. Mais non, il est pas pressé de monter dans le ring, évidemment. Il va faire courir Asker King, ce qui est de bonne guerre. Il va essayer de jouer dans sa tête. Ben, j'ose imaginer que Joker a plus de cardio que M. King Asker. Je sais pas si tu as vu les entraînements d'Asker King sur Facebook. Ouais. C'est ça. Bon, et là, il est rendu où, Joker? J'ai pas vu sur mon moniteur, là, mais il est rendu où? Voyons. Asker King cherche évidemment le Joker. Il est au bord. Et là, il essaie de... Des jeux de tête, carrément. Ouais. Il veut montrer qu'il est plus intelligent. Il veut faire mal paraître Asker King, là. Ben, il veut surtout lui faire une erreur. Il veut le fâcher, comme s'il va faire une erreur, puis il va pouvoir capitaliser là-dessus après. C'est pas mal ça aussi, les jeux de tête dans le monde de la lutte. Qu'est-ce qui se passe, là? Il veut juste vraiment que l'autre sorte de ses gonds, puis fasse une petite erreur. Par contre, mon cher, tu sais comment ça finit dans le monde des Vikings? Ça finit avec un sacrifice, et je pense que c'est ça qui va arriver au Joker. D'accord, ouais. Des fortes chances. Là, on cherche encore Joker qui est allé en bas du ring. Là, je l'ai vu cette fois-là. Là. Il remonte. Il doit être de l'autre côté, j'imagine. Derrière Asker King, il le surprend. Oh là là, sur la partie la plus dure du ring, mon cher TJ. Bon, il commence. Mais non, c'est pas ça, la partie la plus dure du ring, c'est le poteau. Non, c'est là. Voyons donc. Est-ce que tu as déjà fait un tombé, là? Non. Parfait. Bon. Oh! Ça donne le bénéfice du doute là-dessus. Là, il ramène Asker King dans le coin, dans le ring plutôt. Et le Joker. Il a ses fans, le Joker. Mais là, je pense que la blague a assez duré. Ouais. Ils sont pas aussi bonnes que les miennes. Oh! Oh, il l'attrape. Non, un coup. C'est de faire sa prise fétiche, là, son genre de rock bottom.
Oh, DDT! Il l'a mis tout droit comme une barre. Directement sur le coup. Et là, s'il ne capitalise pas, c'est une erreur, là. Ouais, et voilà, la fraction de seconde qu'il a pris avant de faire le tomber. J'allais dire, est-ce que c'est la fin? Mais non, même pas eu le temps de faire le décompte, TJ. Oui, il était tout de suite debout. Comme j'ai dit, c'est ça, le fait qu'il ait pris son temps avant de faire le cover. C'est ça que ça donne, malheureusement. Il a laissé le temps à Asker King de se réveiller. Il descend de la cuisse. Et non, le Joker s'est fait juste enlever du tombé. Et là, c'est une grave erreur. Ça là, va peut-être lui coûter le match, ça, peut-être. Ça m'étonne de la part d'un vétéran comme le Joker, par contre. Ouais, mais en même temps, c'est un vétéran, mais je pense que c'est dans son style de faire des choses comme ça. Oh! Aïe, aïe, aïe! Il s'est brisé le coccyx. Oh là là! Il va falloir qu'il fasse ses tours de magie. Il est assis dans une chaise roulante, je pense, après ce match. Oh non! Oh! Oh, wow! Est-ce que c'était... Dégagement! C'était son rock bottom qui appelle... comment qu'il appelle son rock bottom déjà? Right to the Valhalla? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le right to the Valhalla, donc il l'a envoyé directement à ses dieux. Oui, à ses dieux. Mais malheureusement, c'est juste un compte de deux, par exemple, c'est surprenant. Oh oh, là, est-ce, oh, qu'il, oh. Est-ce qu'il place pour son Vader Bomb, son J-Drop? C'est terminé! 1, 2 et... Non! Pardon! C'est un compte de deux! Pardon! Mais voyons donc. Joker me surprend là-dessus, là. Pour vrai, le sans joke, là. Sans joke, ouais. Il me surprend terriblement beaucoup. Je pensais que c'était la fin. Il est allé puiser dans son chapeau, puis il est allé chercher de l'énergie, je pense, là. L'énergie du désespoir, je pense, parce que les touches finales s'en viennent, malheureusement, je crois. Ah, c'est ça, son... Ah oui, c'est ça! Voilà! Right to ball! Directement à l'Ivo Dieu! 1, 2 et 3! Des débuts fulgurants pour Asker King qui bat le Joker. 1, 2, 3! Quelle manœuvre impressionnante! Et mesdames, messieurs, devant vous, ma prédiction, d'ici le centre de Slush Puppy 2024, le prochain champion de la GPW! On peut te compter là-dessus, on peut dire. Oui! C'est vrai, tu vas faire une bonne idée. Gardez ça, ça, garde ça sur le tape! T'es bon de ça? Oui, j'en ai! Parfait! Belle victoire de Asker King là-dessus sur un Joker qui s'est montré à face, le show up dans ce combat-là. Ouais. Il a pas été. Quel retour, mon cher DJ! Quel début de brésil, parce que c'est pas le même homme. Et je pense sincèrement que ça va être l'homme le plus dangereux de la GPW, peut-être même de la lutte au Québec. Un nom à surveiller et. J'ai pas l'habitude d'avoir les favoris de la poule de mon côté, mais sincèrement, lui, je l'avoue de mon côté parce que j'ai plus de moi que d'autres autres. Ouais, je pense que c'est juste par prévention que j'aurais de ton bord, je pense. Je comprends, c'est pareil, mais belle victoire pour le King pour commencer la saison de la GPW. Et comment tu trouves le gars-là jusqu'à maintenant, mon joueur DJ? Incroyable. Hein? On commence ça en force avec PCO. Les frères rebelles qui ont eu leur revanche, Mélanie Havoc directement a les yeux sur le titre et là, les débuts fulgurants de... Asker King, que, comme tu dis depuis tantôt, est ton choix pour donner champion prochainement à la GPW. Oui. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il va avoir les prochaines semaines là-dessus. Mais parlant intéressant, le prochain combat qu'on va avoir risque d'être un combat avec beaucoup de voltiges, beaucoup de pirouettes. On va avoir évidemment un combat entre Gabriel Floyd et Crimson X. Malheureusement, sur le graphique, on a Ryan Donovan, mais il est blessé. Donc, on fera un combat en simple avec Crimson X et Gabriel Floyd. Sur une opération, je pense que c'est la semaine passée, sur notre combat, ou cette semaine. On lui souhaite un bon rétablissement. Ouais. Évidemment, c'est un match qui va déterminer beaucoup qui va être un aspirant pour le titre Cruiserweight aussi de la GPW. Qui réussit un compte de 3 sur un adversaire remporte le match. Ce combat est arbitré par Trent James. Du territoire du Yukon, pesant 169 livres, Crimson X!
combat qui va déterminer les rangs, évidemment, pour la GW pour la Cruiserweight. Luther qui est sur son X, mon cher. Ouais. C'est la vitesse dans ce Cruiser X. Son beau masque rouge et noir. Voilà, Crimson X va avoir un adversaire redoutable, Gabriel Floyd. Son signe de X, Crimson X. Les lutteurs mystérieux, ça a toujours attiré le plus de gars. Oui. Évidemment, les lutteurs masqués, on peut penser évidemment à Mil Mascaras. On peut penser aussi à Rey Mysterio, aussi, des lutteurs masqués de renom. Des légendes. Je m'en trouve Galera qui a porté le masque. Il y en a plein. Justin Thunder Liger. Exact. Il nous vient de Perkins, pesant 185 livres. Gabriel Floyd. Menace redoutable. Il est en forme, hein? Oui. Ah, il a des beaux cheveux. Un peu jaloux. Rien à voir, aucun lien de parenté avec l'ancien joueur des Expos Cliff Floyd. Non. Parfait. Voilà. Floyd, évidemment, qui est bien populaire avec la foule de la GPW. Son style, hein? Un style bien à lui quand même. Oui. Comme j'ai dit, je suis un peu jaloux de ses cheveux. Gabriel Floyd, on a une table dans le ring, peu importe. Garçon. Quand même grand. Il semble apprécié. On dirait un mix entre Cameron Grimes et Aiden English. La couleur. J'ai pas la comparaison. Ouais. Oh, troisième adversaire. Est-ce que finalement on se serait trompé? Faisant partie de l'équipe Maximum Heat, accompagné par The Rage, Randy Barry. De Glengarry, en Ontario, pesant 190 livres, The All-Star, Ryan Donovan! Oh, et finalement, il va être présent! Wow! Ryan Donovan est sur place! Mais Ryan Donovan a subi une opération, il est pas humain, TJ! Mon boy, mon choix pour être le prochain champion GPW! T'as dit Asker King tout à l'heure. J'ai jamais dit ça. Ryan Donovan, depuis le jour 1, est mon lutteur. La face de la GPW et surtout la face de Buckingham. Habituez-vous parce que j'ai un chemin d'idée, Marc. Oh, wow! Regardez-le! Et voilà! Ruthless Ryan Donovan avec son partenaire The Rage, Randy Barry. Maximum Heat, selon l'équipe. Je ne sais pas si les grandes lignes écoutent en ce moment, je suis sûr que oui, mais voici la prochaine vedette pour les 10-20 prochaines années, mon ami. Oui, j'ai aucune idée là-dessus, que c'est véridique. Oh, regardez-le, il est beau, il est talentueux, il y a tout pour lui. Non, c'est ton cousin éloigné. Non, je sais reconnaître le talent de loin et de proche aussi. Reste loin de moi, s'il te plaît. Ryan Donovan, évidemment, qui va avoir un petit peu la retorde. Surtout s'il n'est pas à 100%, évidemment. Je pense pas pour rien que Randy Barry est avec lui. C'est louche, cette affaire-là. Et, chers amis... Ouais, d'accord avec vous, mademoiselle. Chers amis qui écoutent à la maison, ce match-là a un potentiel d'être le match de la soirée. Soyez aux aguets. Tout à fait. Here we are, back in the depths of all dumps. Qu'est-ce qu'il dit? Got no two back. On est de retour dans les plus belles du Québec. Les It's dumps. Amazing! You clowns are even booing us! La foule qui casse, quand on va pas en anglais. We are better than you! We are sexier than you! Sexy que nous autres, il a dit. And we are far more talented than each and every one of the guys sitting in the seats.
Ouais. Un fan qui se met pas les oreilles. Annonce spéciale de Donovan, ouais. Dit Barry. J'espère que c'est pas ce que je pense parce qu'on s'est texté ce matin, moi puis Donovan. Je fais des confidences. Ouais. Tenez vos bouches maintenant, qui dit. Oui. Tenez d'entendre le clapet des gens de Buckingham. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu ici, puis là, il vient de se rendre compte comment il était laid, le monde de Buckingham. Tendance à être d'accord. Il dit que la GPW met le garde à terre avec des matchs contre du monde des jobbers. Plus blanc que la crème glacée de Dairy Queen. You must have been born on the highway, because that's where most of the accidents happen. Ah, je l'adore. Il dit qu'il est né sur une autoroute parce que les accidents arrivent. C'est pas gentil, ça. Devrait être directement dans la finale, ce temps-là. This match right here is beneath me. Ce combat-là est en dessous de moi. They put me in matches like this. That's a joke. C'est une blague. So the fact of the matter is, you people don't deserve it. C'est vrai. And I said shut your mouth. La foule le fait fâcher. The fact of the matter is, I've decided that I have taken myself out of this match. You people don't deserve it. And it's beneath me. Il ne méritait pas de m'avoir dans le match et c'est en dessous de moi. Je m'en vais. Et dit, voilà. C'est bon débarras. Marco, tu peux aller le voir après dans sa loge. Il va t'attendre. On confirme qu'il est bien en forme, qu'il était prêt à lutter, mais qu'il ne veut pas risquer peut-être un combat de championnat futur pour affronter deux personnes qui ne sont pas de son calibre. Et je suis d'accord avec lui. Dans le fond, tu vas me faire une surprise, hein, tantôt. Un peu. Ouais. J'aurais été t'écouter pour prendre des notes, je pense. Et là, on a juste un match en simple, là, tout d'un coup. Là. Et oui, mais. Ça sera pas moins bon pour autant, là. Ah, non, non. Excellent lutteur. Oui, Gabriel Floyd et Crimson X vont faire tout un combat. Oui. Et la toune Nanana et Hey Goodbye, chantée par les gens de Buckingham sur Maximum Heat, sont partis. Et on a du sportsmanship. Voilà. Poignée de main, le code d'honneur est respecté là-dessus. Exact. Et là, on va avoir tout un match avec ces deux lutteurs-là. Contact. Prise à tête, la main au tapis. Floyd a l'avantage, pendant que l'autre donne des coups de genoux pour s'en sortir. Oh, autour de Crimson X d'avoir prise de tête. Oh, il renverse ça. Non, non, il reste toujours. Oh, entre les jambes de Floyd. Et Crimson X s'en sort très bien. Et voilà, on a. Face à face tout après ça. Et c'est impressionnant, je pensais pas que ça pouvait être possible, mais les hommes bougent plus vite que je peux manger un sac de chips. Ouais, moi aussi je pensais pas que c'était croyable ça. Fait qu'il y a, on a Floyd, un autre contact entre les deux lutteurs. Prise de bras. Et des coups de coude. Et non, il le ramène avec une autre prise de tête. Et évidemment, où est-ce que la tête va, le corps suit. Fait que c'est important de faire le travail sur la tête de son opposant. Et encore une fois, là, on a un regard entre les deux, un stand-off. On s'étudie, on cherche des failles. Oui. Mais la moitié d'un match de lutte, c'est mental. Fait que c'est vrai. Ce qu'il faut faire au début. Et là, une belle série de renversements d'un port comme de l'autre. Oh, petit paquet! Un, deux! Et Crimson X dégage. Oh, le pont a été brisé. Oui. Et là, la foule est très, très d'accord avec nous que c'est un bon match jusqu'à maintenant.
Oui, la foule apprécie le spectacle, le premier du genre ce soir. Oui. Il y a eu beaucoup d'action qui frappe fort depuis le début du gala, mais là, c'est vraiment de la voltige. Oh! Il retourne derrière lui. Oh, et la prise de bras, c'était un peu... c'était long avant l'arrivée, mais c'est... Bien repris par le bonne guerre, exactement, oui. Prise de bras de Floyd, qui l'amène au tapis. Évidemment, ça prend de l'énergie aussi, faire de la lutte au sol comme ça, des counters puis des renversements. Là. Oui. Ce style de lutte demande énormément de cardio, demande de la préparation physique plus que d'habitude. C'est extrême, donc toutes des choses que toi et moi, on ne pourrait pas faire. C'est pour ça qu'on est assis ici et on part de l'action ce soir. Je crois qu'on a la première retraite. Exact. Prise de bas, prise de tête de Crimson X. Il s'en allait faire Floyd avec des coups. Oh, il le lève un peu dans les airs, non? Il reste avec la prise, dans les câbles. Coup de bélier. Oh, coup de coude d'œil, c'est enlevé du chemin, Floyd. Par-dessus. Un bras à la volée, et non, c'est bloqué. On le tourne derrière lui. La glissade. Oh. Un. Non. Non, compte de un seulement. Le momentum de Crimson X l'a fait sortir du pin. Oh, jackknife. Un, deux, non, dégagement. Et on revient avec une clé de bras. Non, et il le prend. Oh, belle prise ici. Un, deux. Un compte de deux pour Floyd. Et là le match commence à monter. Là. Oh oui. Ça monte de grade. Et Floyd a l'avantage. Peut-être son physique très impressionnant qui domine le combat, qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'il sait exactement ce que Grimson X va faire avant qu'il passe. Ben, ça s'appelle étudier l'adversaire avant le combat. Je pense que les deux ont étudié leur adversaire en masse. Là. Je peux pas croire qu'un des deux l'a fait moins que l'autre. Là. Fait que ceux qui sont à l'école, prenez des notes. Une autre belle poignée de main. Ah non! Ah, oh, c'était une ruse! Et voilà! C'est dur avec un lutteur masqué de savoir ses intentions, hein, souvent, parce que, évidemment, il y a un masque sur la tête. Fait que tu peux pas voir ses yeux, tu peux pas voir sa bouche. Des fois, faut que tu fasses ce que tu as à faire pour gagner un match. Ouais, ça m'étonne pas que toi, tu penses ça comme ça. Là. Toujours un shortcut tout le temps pour s'en sortir. Dans le coin, cours vers lui. Oh, les coups de genoux! Dans la poitrine de Floyd. Et on se replace le coup du côté de Crimson X. Il replace son coup, puis défait le coup de l'autre avec un neckbreaker, un brise-neck. Ça serait assez, non? Non. Dégagement de Gabriel Floyd. Beaucoup de comptes de 1 ce soir, j'ai remarqué ça dans l'action. Là. Oui, oui. Énormément. Mais tu sais que le fait que les lutteurs dégagent à 1, c'est une marque de... Dans les anciens temps, les combats de lutte, c'était des comptes de 1, il n'y avait pas de compte de 2, là. C'est vrai, t'as raison. C'est une humiliation d'être plus qu'un compte de 1 à terre. Ouais. Oh! Sur le retour de Floyd, wow. Il prend un coup de coude tout droit sur le menton. Et le retour à l'avantage de Crimson X qui l'étrangle avec les câbles, évidemment. Et l'arbitre fait son décompte de 5. Évidemment, il faut dépasser au compte de 5 si on ne veut pas se faire disqualifier là-dessus. Ouais. Toujours important. Dans le coin, est-ce qu'on va avoir une atémie encore une fois? Là, on... Non, c'est l'écœurie un petit peu. Changement d'attitude du côté de Grimson X qui va un petit peu plus sournois. Bien souvent, c'est ça qui arrive. Ça commence gentil, puis tout d'un coup, il fait une erreur puis il devient un peu plus méchant. Oh, ça, c'est une belle prise. Oh, wow. Il étrangle un petit peu, mais c'était une très belle prise. Là. C'est comme un peu une araignée, dans le fond. La tête en dessous. Quand on parlait de forme physique tantôt, ça prend des abdominaux d'enfer pour réussir cette prise-là. Une autre affaire qu'on connaît pas. Chacun nos forces, hein? Notre corps, notre choix. Oh! Un flipping neck breaker avec une petite roulade. Que ça sera assez? Un, deux. Et dégagement de Floyd à deux cette fois-ci. Et là, l'arbitre a fait une erreur sur ça parce que l'épaule droite de Floyd n'était pas au tapis, donc il n'aurait même pas dû avoir un compte d'un là-dessus. Au moins, c'est un compte d'un seulement, puis c'était pas pour un compte de trois. Heureusement, parce qu'on aurait perdu un autre arbitre. Ouais, ça dépend. Freeman n'aurait peut-être pas rien dit. Aïe aïe! Il n'y avait personne dans la piscine. Et là, Floyd revient. Oh! Un saut chassé en plein visage. Et les lutteurs prennent leur souffle au tapis. Wow! Oui. J'allais dire probablement le plus beau saut chassé de la GPW. Oui. Donc, j'en ai pas vu beaucoup ce soir, mais à date, c'est le meilleur. Oui, évidemment, mais l'élévation était là, puis le coup a senti. Le Floyd est debout. Corde à linge. On a un comeback. Un autre corde à linge. Le retour. Oh! Le troisième. Et là, la foule, il demande l'appui de la foule.
Il bloque celui-là. Oh! Oh, une souplesse germaine qui laisse aller. Oh, la souplesse de la germaine. Let's go! Et la foule est dedans. Coup de pied dans le ventre. Et la souplesse du pêcheur. Un, deux, et... Oh! Oh, il en a fallu de peu là-dessus. Compte de deux pour Floyd là-dessus. Et on a ramené la ligne dans la chaloupe. Oui, et oui, il n'y a rien qui a mordu. Fait qu'il est revenu dans la chaloupe. Et là, on a Floyd qui cherche à savoir qu'est-ce qu'il va faire comme prochain move. Il le laisse sous ses épaules. Oh, et Crimson X se débat, s'en sort, tombe sur ses pieds. Coup de pied en avant. Oh! Le Factor X! Oh oui! Il a mangé du tapis là-dessus, Floyd, là. Oui, oui. Disons qu'il s'est peut-être que cassé le nez un petit peu là-dessus. Il faudrait peut-être vérifier. Et là, oh! Et là, le coup de coude qui s'en vient de Crimson X. Oh, c'est renversé. Suplex German, encore une fois. Il fait des belles German suplex, ce monsieur oui. Floyd. Très impressionnant comme talent, Floyd. Peut-être, probablement, ma découverte de la soirée jusqu'à maintenant. C'est le prochain rapport de la GPW, lui, avec. Aucune chance, Ryan Donovan est en avant. Prend pas de chance avec toi, on sait jamais. Sur le troisième câble. En élévation. Oh, non, c'est... Il a une corde à linge et Crimson X est sorti. Il est parti sur le tablier du ring. J'ai l'impression que c'était prévu, mais... Ben, il a vu que ça s'en venait. Oh, l'étranglement sur la corde. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? C'est Est-ce terminé. C'était une erreur de M. Floyd là-dessus. Oh, le casseur de dos. Le chiropracteur. Et c'est terminé. Oh. Victoire de Crimson X. Avec son backstabber, il a vraiment mis un coup dans le dos de son adversaire là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai quasiment l'impression que c'est une surprise parce que Floyd a dominé le combat, avait l'air beaucoup plus en avance dans ce qui était des manœuvres et du cardio surtout. Mais non, Crimson X a fait peut-être des tactiques déloyales pour réussir à être en avant. Comme tu dis tantôt, ben je pense que ça prouve, ça prend ce que ça prend. Là, manque de respect envers Floyd, j'apprécie quand même. Ouais, oh ouais, c'était une belle performance des deux lutteurs. Floyd, évidemment, a été sur le mauvais côté du résultat, mais il y a beaucoup de positif là-dessus. Il a fait un très bon combat, Floyd, mais malheureusement pour lui, Crimson X remporte le combat à Résurrection ce soir. Et je sais pas s'il y a de la marchandise à la table des marchandises pour Floyd, mais s'il y en a, allez en chercher. J'ai l'impression que ça va être un gros vendeur à la GPW cette année. Ouais, et on parle évidemment pour les premiers spectacles, parce que évidemment, si vous regardez sur TV, pas à l'aréna aujourd'hui. Non, exactement. Déplacez-vous, achetez des billets, venez en direct. C'est une expérience hors du commun. La GPW, il n'y a personne qui donne une promotion, un gala comme ça en région. Puis évidemment, là, on a eu 4 combats extraordinaires, mais comme n'importe... Oh, on me dit que... Oh, non, c'est... Oh non, pas lui. Qu'est-ce qu'il y a? Pas classique LP. Ah, oh, lui, je suis pas capable. Ah, tu vois, moi, je le mélange souvent avec Jean Leloup, mais non! Ah, wow! C'est le gars décidé ici, ça? Non! Beaucoup plus petit. Mesdames, messieurs, comment vous avez le show à soir? Parlez-moi de ça, on est live à TV en plus! Eh oui, en direct! So, écoutez, avant que je présente les Stallions, je vais me présenter, ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Classic LP. Je suis votre nouveau intervieweur préféré. Pis oui. Si vous m'aimez pas, ben vous allez apprendre à m'aimer. C'est le standard dans so moi, j'ai commencé à wrestling. J'en faisais avec mon frère, j'étais bien jeune, j'avais 3-4 ans. J'ai grandi avec ça. J'aime ça déjà, il y en a déjà qui m'aiment, hein? Faut laisser la chance aux coureurs. Ça fait qu'écoutez, j'ai suivi la wrestling les coureurs, avec les années. J'ai été influencé par les meilleurs. J'ai étudié les meilleurs. Ça fait que moi, vous allez voir, je vais faire des remarques pendant mes entrevues. C'est juste constructif pour eux autres. Alors, sans plus tarder, j'accueille les Stallions. Stallions! Les étalons! Oui! Les étalons italiens! C'est bon. Okay. Oh wow! Il y en a un qui a un kilt, évidemment. J'espère que LP il va se calmer parce que s'il se calme pas, ils vont y faire de quoi, eux autres, ils n'auront pas peur. Ils
Stallions, très apprécié ici. Des plus jeunes fans de la GPW, je vais dire. Oui, oui. Il y a encore là des lutteurs masqués qu'on a ouais. à voir. Plan de match pour asseoir. Premièrement, faut que tu trouves du respect pour toutes les gens ici! Les gens qui sont ici depuis le début, contrairement à toi! Non, non, non. Les Stallions et tous les Stallions ici, respect, honneur et justice, c'est ça notre plan pour ce soir et pour toute l'année! Les Stallions ont gagné les deux championnats à Slush Puppy, grâce à vous! Oui, les héros du dernier gala devant plus de 3000 personnes. Brett, I saw Mathis backstabbing you in the back. What do you think about that? Well, he's gonna have to answer for himself. Mathis, come out here and answer for what you did. Oh, il challenge Mathis Smith. Est-ce que c'est le Mathis Smith que je connais? Oui, oui, oui. Bon. Non. De retour ton chum là. Et voilà. Est-ce que c'est un adversaire à la taille de M. Donovan et son partenaire? Brett McLeod, le champion cruiserweight de la GPW, puis Nightman, le champion provincial aussi, oui. qui a gagné évidemment le combat la classique Pat Patterson à Slush Puppy. Oui. En l'honneur. Regretter Pat Patterson. Oui, oui, oui. Premier champion intercontinental de l'histoire. Oui, une légende dans le monde de la lutte. Et aussi l'inventeur du Rumble. Nobody cares for Mathis. Nobody cares for a 90-pound soaking wet loser from Quebec. Personne aime un petit faible de Québec comme toi. What you need to be paying attention to is the hottest tag team in GPW right now, Maximum Heat! Et c'est pas quand le prochain champion de la GPW par équipe. Oui. Les champs vont pas passer la batte, par exemple. J'en veux plus now, de Maximum Heat. My Little Ponies! That's right, not the Stallions! My Little Ponies! Stallions, on appuie de la foule à Buckingham. Et là, je pense qu'on vient de mettre le feu dans la place. Et là, il y a un fan aux abords du ring. What you need to realize and recognize is that Maximum Heat, we are the flavor of the hour. La saveur we de l'heure. We are the future of GPW. It's the Maximum Heat era right now. Et voilà. C'est l'ère de la chaleur maximum. On va passer le présent, le futur. If what? You really want to prove yourself, you'll get in the ring with me and Ryan Donovan. And we will find out once and for all who is the top tag team here in GPW. Okay, Max Berry challenge carrément les Stallions pour un combat futur. Shut up! Poser la question, c'est un peu y répondre. On sait c'est qui les meilleurs champions, les meilleurs. Partenaire, meilleure équipe de la GPW, c'est Donovan et son partenaire. Randy Berry. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai de la misère à t'entendre. Il y a à peu près 400 personnes, 400 Stallions ici ce soir. Dans la foule, s'ils veulent voir le combat, et évidemment, la foule est d'accord avec ça. You want to go one-on-one or two-on-two on the Stallion? One tag team with your second tag team, that's what you want? Let's do it! Voulez-vous voir les Stallions contre Maximum Heat?
On va l'avoir. Je vous en ai pas, venez vous voir les Stallions contre Maximum Heat. Alors, je pense que ça prend de la préparation. Tu peux pas accepter un match comme ça à l'impression. Je pense qu'il y avait le plus qu'à ce qu'il faut manger. Le prochain, Ben Capital, Stallion, Maximum Heat, it's done! Maximum Heat contre Stallions, let's go! Oh-oh! Amenez-moi un arbitre, est-ce que... Oui, vous allez le regretter très rapidement, qu'il dit. Ça reste à voir, M. Barry. Enragé, il ne porte pas son nom pour rien. On sait que Barry, ça ne sera pas ce soir parce qu'il croise le fer avec le champion de la GPW Thunder plus tard dans la soirée dans l'événement principal. Exactement, j'allais dire. Et là, la foule scande pour les Stallions, les étalons. Un match qu'on va voir prochainement à la GPW, oui. Les Stallions contre le Maximum Heat. Ben, j'ai hâte de voir ça. Ça va être un événement probablement principal du prochain gala de la GPW à voir. On va attendre les annonces, les détails du commissaire. Mais par contre, après l'intermission, on a des matchs. On a deux matchs, dont un match pour le championnat par équipe. Trois matchs, désolé. On va avoir les Chums qui vont défendre leur championnat par équipe contre... For the Glory. Excess Junior, père et fils. On va avoir l'événement principal de la soirée avec Thunder contre... Pour Randy Barry, The Rage. Exact, qui vient juste d'être là. Et un autre match à l'affiche aussi. Avec Bjork Akin contre Dale Kilburn. Oui. Mais là, c'est intermission, fait que prenez un petit bon, allez chercher des snacks, oui. Puis revenez nous voir pour la deuxième partie de Résurrection sur TVC. Bougez pas. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. C'est des oubliés du système, c'est des poquets, c'est des maganés. Ils n'ont plus le goût de, que tu lui vendes du rêve. Là. Non, je ne m'en attendais pas. Je sais que M. Leclerc a travaillé très fort. Alors, justice réparatrice a été pour moi l'occasion de voir comment on peut aider des gens, même des meurtriers. J'ai déjà été... attaqué par des rebelles. Tu sais, c'est comme c'était en fonction de survie, en fait. La TVC Basse-Lièvre vous invite à jouer au Télébingo tous les mercredis à 18h. Disponible pour les abonnés Vidéotron aux chaînes Illico 9 et Illix 10 et maintenant aussi en webdiffusion sur notre site Internet otvc.qc.ca. La liste des marchands participants est disponible sur notre site Internet. Chaque soirée de bingo contient deux tours. En jouant au Télébingo de la TVC Basse-Lièvre, vous pouvez gagner gros et vous contribuer au financement de votre télévision communautaire. De retour à la GPW sur TVC. La première partie était excellente. Je vais pris de la brioche parce que la deuxième partie va être encore plus impressionnante. Oh là là, on va prendre notre énergie pour ce gala enflammé, mon cher TJ. Il reste trois combats à la carte, des excellents matchs, dont le premier combat de l'intermission. Bjork Akin va affronter Dale Kilburn dans un match 1 contre 1. Et évidemment, on en a parlé tantôt, le championnat par équipe sera en jeu avec les Chums qui vont défendre leur ceinture contre... For the Glory, Excess Junior, père et fils. Et l'événement principal de la soirée, Thunder, le champion, sera avec nous. Et va affronter Randy Barry, qu'on a vu avec son poulain Ryan Donovan, qui ont fait un statement, on va dire ça en anglais, un statement. Bonjour à tous. Un qui est préféré, ça fait le coup, hein? Oui, Ryan Donovan, c'est mon boy, mon garçon. Fait qu'il y a trois combats qui s'en viennent, dont deux combats de championnat. Fait que bougez pas, mesdames, messieurs. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on l'est pour la deuxième partie. Show Résurrection de la GPW. Exact. Et je pense qu'on va avoir gagné des fans. Ceux qui n'aimaient pas la lutte sont maintenant avec nous à la GPW dans le bateau. Et on va vous emmener très, très loin durant cette saison. Directement la route pour le Slush Puppy 2024. Quittez pas le navire. Oh non. Et là,
Ben, si on peut en parler un peu, peut-être, oui. Le temps que ça commence, Melanie Havoc, que grosse victoire ce soir pour peut-être remonter dans les échelons et redevenir champion féminine prochainement. Oui. Et aussi, ben, PCO. Oui, PCO qui est venu sauver les recrues Hunter et Rush, les frères rebelles. Exactement. On sait que PCO a annoncé dernièrement qu'il avait quitté Impact Wrestling. Est-ce que c'est un retour aux sources? Il va venir faire plus de dates au Québec? Mais chose certaine, c'est que ce soir, première apparition, il est à la GPW et la foule l'a accueilli comme un des leurs. Oui. Parlant d'un des leurs, dans le grand principal de la soirée, c'est Thunder, il va défendre son titre contre le Rage Randy Barry. Puis, je sais qu'on a parlé un petit peu tantôt, on a généré le sujet. Là. Ouais. Il va falloir qu'il watch out à Ruthless Ryan Donovan avec du ring, parce que sinon, ça va aller mal pour le Thunder. Oui, puis là, c'est pas clair. Est-ce que Ryan Donovan est blessé? On m'avait dit que oui. Ouais. Est-ce qu'on joue en deux? Est-ce que Donovan joue dans la tête de ses adversaires? C'est ce qu'on verra. Mais tout de suite, passons à la deuxième partie. Et la finale aussi de la GPW qui s'en vient. Reste là. Voici Éric Lebeau, l'annonceur maison de la GPW. Et la foule est gonflée à bloc, la deuxième partie oui. du gala. On acclamait Thunder qui était parmi les spectateurs. Plusieurs autographes depuis le début de la soirée, Thunder, hein? un favori de la foule. Je pensais que tu parlais de moi. Non, okay, toi, t'es pas rendu là encore dans ton cheminement, mon cher. Voyons donc. Est-ce que c'est... Drew McIntyre dans la place! Oh! Non! C'est qui? Oh! Et non! Je crois que c'est le géant Björk Haken qui est maintenant... qui fait son chemin vers le ring, et là... Le Belge! Oui! Oh! Quel lutteur impressionnant! Pour l'avoir vu à plusieurs reprises ouais. au courant des années, là, un lutteur que j'ai beaucoup de respect pour lui. Le Belgian Bruiser! Oui. Évidemment, il faut faire attention à son Spinebuster et son cutter, c'est deux brises fétiches. Exact. Et comme tu as dit, on l'a vu plusieurs fois, ça, Björk Haken. Oh! Ah, ben là! Éric, voyons donc, Éric. Oh, et ça, tu vois, c'est des choses qui ne seraient jamais arrivées avec nous deux dans le ring. Ouais, pas sûr de ça, mais bon, on va te croire là-dessus. Ouais. Donc, Björk Haken qui attend son adversaire, Dale Kilburn. Je veux dire qu'il ne sait pas sur quelle pied danser, notre cher collègue. Tout ça, là, tu ne peux pas te danser. Le prochain combat est arbitré par René Bastien. Oh! Les arbitres n'ont pas la cote ici, hein? C'est... Ouais, je sais pas pourquoi. Il nous vient de la Belgique, pesant 255 livres, Björk Haken! Il nous vient de Laval, pesant 225 livres, Dale Kilburn! Oh non, il arrive! Oh! Il est direct, hein? Grand gaillard de Laval, c'est Dale Kilburn. Oh, un lutteur pour qui le sprint net n'a pas de secret. Non, on dirait un jeune Rocky Maivia ici. Là. Oui. Oh, wow. OK. Pendant que Björk Haken m'attend dans le ring, Wacky. Là, ça va être un match avec deux gars de gabarit similaire. Ouais. Il n'y aura pas d'avantage certain pour l'un et l'autre. Et on va se le dire, la GPW, fédération avec beaucoup de gabarit, beaucoup de force. Hein? Faites pour homme. Tout un show qu'on a eu à date avec le match en match. Oui. L'opener est excellent, les frères rebelles qui ont une correction totale à Hunter et Rush. Exact. Puis évidemment Joker qui a gagné. Non, qui a perdu contre Asker King. Oui, le début d'Asker King directement du Valhalla. Disons que le match entre Haken et Kilburn va avoir du pain sur la planche pour être aussi bon que les combats d'avant, mais avec le gabarit des lutteurs, on va faire de quoi d'incroyable. J'ai confiance. Là, on dirait un peu de Rocky Maivia puis un peu de David Arquette aussi. Ouais, le deuxième. Oh, oh. Ouais, pas mal plus de David Arquette, je dirais. Ouais. Oh, et ça se pousse. Et là, Kilburn est à terre. Et je sais pas si quelqu'un peut le dire à Kilburn, mais le soleil est couché, hein. Ouais. Il est tout droit du Jersey Shore, je pense. Ah. Et là, les deux vont faire le contact dans le milieu du ring. Ben là, il est en dedans, là, des lunettes, n'a pas besoin, lui, là. La prise du pompier. Prise de bras à Haken, qui est sur le tapis. Utilise des techniques peut-être qu'on voit plus à la MMA, mon cher. Oui, oui, un très redoutable artiste de mix martial arts.
Et la prise de tête au tapis. Et là, maintenant, c'est immobilisé au sol, ce Bjork Akin. Ça va être important du côté de l'arbitre pour voir si les épaules sont remises au tapis. Voilà! Et là, oh! Un! Et l'arbitre... Oui. L'arbitre n'a pas pris son café. Non, c'est moi qui l'ai, son café. Et Kilburn a une prise de tête pour sur Akin. Il s'en sort avec des coups dans le ventre de Kilburn. Dans les cordes. La projection. Et coup de bélier et Kilburn a quasiment perdu ses lunettes. Ouais, ça va être très difficile pour Kilburn de maintenir une cadence et même de peut-être projeter au sol le géant Bjork. Hors de bois. Ouais. Puis dans les combats comme ça, là, deux géants contre l'autre, là, tu ferais quoi si c'était à la place des deux? Écoute, souvent, on va avoir tendance peut-être à y aller force contre force, mais selon moi, le lutteur qui a peut-être un peu plus. Devrait être un peu plus rusé. On va y aller avec la vitesse comme le. Et voilà! Ah! Et seulement un compte de 1. Compte de 1. Encore une fois. Oh! Oh! Ça, c'est très bien fait. Tombé 1. Et on a quand même un arbitre d'expérience dans le ring. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir droit à de la tricherie ou des choses comme ça. Très belle souplesse de Dale sur Bjork. Dale qui n'a toujours pas perdu ses lunettes. Non, il y a de la bonne colle là, sur ses lunettes. Oh, corde à linge dans le coin sur Akin. Akin. On va dire Akin. Oh, Akin. Et dans le coin, encore une fois. Il revient. Oh, corde à linge bloqué. Et la souplesse arrière. Oh. Bien exécutée de la part de Kilburn. 1, 2. Oh. Et dégagement de 2. Compte de 2, chose qu'on n'a pas vu très très souvent dans la soirée, sauf pour le décompte final. Oui, exactement. Les lutteurs se laissent pas au tapis pour très longtemps ce soir. Et il part dessus la troisième câble avec une corde à linge. Les pions touchent en bas. Et attention à la barricade et attention à nos fidèles spectateurs aux abords du ring pour les protéger. Et malgré ce Kilburn fait en ce moment, c'est loin d'être terminé, je pense, avec un adversaire comme Bjork. Et tu le comparais à David Arquette tantôt. On comprend pourquoi mieux Courtney Cox n'est plus avec. Hein? C'est un comédien, hein? Oh! Et là, je pense que... Est-ce que Bjork s'est fait mal à une jambe en tombant sur la corde à linge, l'extérieur du ring? Voilà. Des exercices matinaux. Je sais pas si... À 9h15 le soir pour Dale Kilburn. Kilburn qui... Il voit un peu de manœuvre au jeu vidéo. Oh! C'est renversé. Oh! Un coup d'avant-bras. Un autre coup d'avant-bras. Et Bjork est sonné, un coup de coude, un uppercut dans les câbles. Surpassement, et non! Et c'était bien exécuté de la part de M. Kilburn, mais malheureusement, Bjork a prévu le coup. Il a perdu ses lunettes. Petite erreur, là. Peut-être un excès de confiance de la part de Kilburn. Il n'avait plus de lunettes, là. Bon, il va moins voir, là. Mais tu sais qu'on porte des lunettes souvent quand on a des opérations aux yeux. Hein. C'est un message que tu me lances? Oui. Parfait. Mais non, et maintenant Akin, non, descente du coude drette sur le cœur de M. Kilburn. 1, 2, et dégagement de 2. Oh, il l'affaiblit. Oui, ben c'est ça, c'est comme on l'a dit plus tôt dans la soirée, dans le gala, ben c'est fatiguer l'adversaire de le faire des comptes des tombées comme ça à toutes les fois. Oh, d'énergie supplémentaire. La foule présentement Bjork. Perte de temps. Il revient. Oh, un autre coup de coude. Et un autre. Et là, c'est rendu un festival de coups de coude de Kilburn. Il revient. Oh! Non, il s'est tassé, Bjork. Oh! Un brise d'eau à la Randy Orton. Est-ce que ça sera suffisant pour le compte de 3? Et un. Et deux. Et non, Kilburn dit non. Il dégage au compte de 2. Je trouve que Kilburn a... Un style très unorthodoxe, je pourrais dire, ici, parce qu'il... Ben, pas juste le style, je pense. Un peu de tout, hein? Ouais, l'ensemble de son œuvre, M. Kilburn, là-dessus. Pendant que Akin, lui, n'est pas un favori de la foule, apparemment. Une erreur encore, là, de perdre son temps ainsi. Oh, un snapmare! Il court dans les câbles de l'autre côté. Oh, une belle botte sur le côté de la tête. Et on fait le tomber. 1, 2, et non, dégagement. Et là, on voit une stratégie qu'on a vue plusieurs fois dans la soirée, des décomptes à plusieurs reprises, hein, surtout du côté des pas favoris de la foule, je devrais dire. Des pas bons. Des pas bons qui essaient souvent de compter leur adversaire rapidement pour en finir. Il a des coups, beaucoup de manches double hache sur Kilburn. Et là,
Bon, ah. Et Akin continue son travail avec la foule pendant qu'il étrangle dans les câbles Kilburn. Il fait ce qu'il veut là, avec lui. Là. Oui, il joue avec sa proie. Comme un peu Tweety Bird puis Sylvester le chat. Bonne comparaison. Merci. Bien, fait qu'on a Akin qui prend... Il va faire une de ses prises préférées. Le side slam. Un brise-rein. Un, deux. Et Kilburn, encore une fois, dit non. Et là, on voit que il contrôle le momentum, le temps du match. C'est lui qui contrôle le match. Il laisse aucun espace du côté de Kilburn. Mais parlant de Kilburn, il faudrait qu'il fasse le toucher de la fin là, pour s'il veut gagner le combat. Parce que s'il garde ça le plus longtemps possible avec Kilburn, il va se faire jouer un vilain tour, moi, je pense. Oui, peut-être que plus le match est long, plus il est à l'avantage de Kilburn. Oui. Question de savoir qui a le meilleur cardio des deux. Un beau full Nelson Slam! Wow! Une très belle manœuvre. Et là, il va sur la corde. Il va aller sur la deuxième corde. La première, la deuxième. Est-ce qu'il va tenter une manœuvre inutile pour mettre son corps en péril? Une prise de haut risque. Une manœuvre de haut risque, je voulais dire. Et le plus beau saut chassé de la business, c'est un et deux et... T'as dit Floyd tout à l'heure. Non, j'ai jamais dit ça. Bien, c'est lui. Oh, c'est terminé. On met la prise. Là, la touche finale. Dans le milieu du ring, là, on va faire la feuille du Texas. La feuille de trèfle. On va l'appeler la feuille de Buckingham ce soir. Oui, prise fétiche de Dean Malenko. L'homme aux mille prises. Oui, à pas confondre avec le Jerko, l'homme aux mille et une brise. Et il trouche les cordes. Il y a jusqu'à cinq. Oui. Son arbitre va se disqualifier sur le champ. Oh! Et c'est été proche là-dessus. Ouais, il est frustré. Il est frustré, comprends-tu? Le plus longtemps que tu peux mettre de pression, le plus longtemps que ça va enlever de l'énergie au lutteur, à ton adversaire. Donc, bien exécuté de la part de Bia. Et c'est là parce que j'ai dit tantôt, là, faut pas qu'il prenne trop son temps. Là. Oh, un drop to hold, un trébuchage droit dans le coin. Kilburn, oh, une belle corde à linge. Coup de coude. On va tenter peut-être d'amortir. Oh! Oh! Power slam! Wow! Un, deux et non! Dégagement surprise! Je pensais que c'était la fin pour vrai. Moi, surpris. Ça me rappelle un peu une manœuvre de Dustin Rhodes qui l'a fait très très bien. Oui. Entre autres. Oui, Randy Orton aussi fait ce power slam-là. Oui. Très bien. Randy Orton fait tout de bien donc. J'irai pas là-dedans aujourd'hui. Et on a un enfourchement! Oui! Est-ce qu'il va y faire... Oh! La grosse fin! Et je pense que ça va être assez pour le compte de 3. Crash and burn! Non, compte de 2! Et c'est surprenant la résistance de certains lutteurs ce soir qui dégagent in extremis à des prises redoutables. Ça paraît que c'est le début de la saison et qu'ils veulent pas commencer ça sur les chapeaux de roue. Des choses à prouver à l'organisation de la GPW. Oui, monter dans les rangs, évidemment, c'est important pour gagner les championnats. Il a encore un enfourchement, la même manœuvre qu'il a fait, mais non, les doigts dans les yeux. Il n'a pas ses lunettes. Attention. Oh, il prend l'enfourchement encore une fois. Oh, les yeux du serpent. L'aveuglement. Il prend encore sur ses épaules. Oh non, est-ce qu'on va avoir la prise? Oh, Emerald Fusion. Le Gary Crash. Un, deux et trois. Victoire de Björk Hagen. Oui, le Belge. Sort grand gagnant et il ne faudra pas le mettre de côté peut-être pour le Grand Prix de la GPW. Ça en est un autre ça qui a fait sa renommée et qui ici va être un des tops. C'est le champion de la GPW lui non, avec. C'est Ryan Donovan le prochain champion de la GPW. Arrête de me contredire tout le temps. Ton histoire change tout le temps, c'est pas ma faute. Ça change pas. Bon. Félicitations à Björk pour belle victoire et commence la saison. En force. Avec un W ou un V de victoire pour débuter. Oui, selon la langue que vous parlez. Pas exactement, en anglais ou français ou la bouche pleine. Et qui tu penses qui pourrait peut-être, affronter peut-être nez à nez avec Björk? Il y a un lutteur qui vient en tête que tu penses que
prochainement pourrait vous mettre les épaules au tapis, Damien. On parlait de combat de championnat, Thunder, ça serait tout un face-à-face entre les deux. Là, donc, vrai, là, Thunder contre Björk pour le championnat. Il y a Ryan Donovan là-dedans. Écoute, il va y avoir qui d'autre? Ryan Donovan peut-être aussi? Ryan Donovan peut-être aussi, on est-ce que jamais. J'en ai parlé? Ryan Donovan, Björk et Thunder, peut-être vont disputer le titre dans le prochain gala ou dans une date ultérieure. Il paye-tu Ryan Donovan pour ça? Non, mais c'est un très bon ami à moi. Il vient de me texter. Oh, attends un peu. Il va bien. Parfait. Là, quelqu'un qui va bien, maintenant, c'est les Chums, les champions par équipe de la GPW. Oui. Qui va affronter, évidemment, le Challenger for the Glory, Excess et Excess Junior, oui. Du père-fils. Exact. Et je pense que la foule le sait que c'est les Chums, là. Évidemment, on voit l'écran, les Chums, le Top Cup, Lance là, et Casey de Crow Katana contre les For the Glory. On est prêts. Surveillé. Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Excusez, Excess Junior, un des plus spectaculaires au Québec. Oui. À toi, Eric. Le prochain combat est pour le championnat par équipe de la GPW. Commandité par Jim Max Lacage. Arbitré par Trent James. Ils nous viennent de Montréal, pesant un poids total de 370 livres. Excess Junior, for the glory! Sa longue route pour venir mettre la main sur les titres et s'emparer du territoire. C'est Sting? Non, c'est un fan de Katana. Toute une équipe. Oui. Excess qui transmet ses connaissances, transmet son expérience à son garçon depuis plusieurs années. Il devrait devenir un des meilleurs. Oui. Très rapide. Il va de manœuvres qu'on n'a jamais vues ailleurs. Oui. Juste son entrée, vous en dites long pour le personnage. Tu peux entrer dans une demain? Non, moi, non. Je joue avec les manches, absolument. Ouais, parfait, ouais. Moi aussi. Là, ça va être tout un test là, pour les Chums avec For the Glory. Parce que, oui. Évidemment, ils ont gagné des ceintures contre les frères rebelles, mais c'est un tout autre registre, là, des victoires comme ça. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas Excess, c'est un vétéran du ring. A eu des matchs d'importance, a gagné des championnats partout. 20 ans d'expérience, tout depuis les fois 2003, si je ne me trompe pas. Oui, 2003, oui. Donc, il est très connu et très apprécié des fans. Et c'est un privilège de l'avoir avec nous à la GPW en cette nouvelle saison. Oui. Il va faire un selfie avec quelqu'un dans la foule. Un autoportrait. La technologie met de la misère avec ça, fait que je sais pas ce que tu as dit, mais bon, c'est rendu. On devrait faire pareil après le show avec ça. Ouais, mais nous, il y a personne qui veut en prendre avec nous. Non, avec Porter. Ah, oh, ok, parfait. Non, c'est un peu grand. La foule de Buckingham, ouais. Attend, de pied ferme, les Chops, de là et Katana. Le combat même pas commencé, puis la foule est déjà au bout de leur siège. Oui, exactement. Leurs adversaires, venant de Chum City, pesant un total de 500 livres. Casey the Crow Katana, le Top Cop, Lancelot, les champions par équipe, les Chums! Oh, c'est mon entrevue! Oh, et les favoris de la foule! Oh! Là, j'étais avec les Chums, c'est les fameux Chums. Écoutez, Slush Poppy. C'était pas mal douteux le compte. Je trouve pas, c'était pas mal vite, vous l'avez eu facile un peu. Une question que tu poses là? Je pense que oui. Ben moi, mon souvenir, on a remporté les ceintures à Slush Poppy. Un beau spear, puis ça a été un compte de trois. Puis, t'es qui toi? C'est quoi ton nom? Classic Elder. Continue qu'à soir, les Chums! Les Chums come for the glory pour les Tag Team Belt. Gatineau, êtes-vous parés? Je l'entends, j'ai pas entendu. Gatineau,
C'est un match que la foule attendait depuis que ce match-là est annoncé. Ils arrivent, les Chums, les champions par équipe de la GPW. Les Chums! Oui! Hey, qu'est-ce que tu vas faire? T'as combien pour toi, Marco? De? Les Bad Boys! Oh! Et là, je réponds pas à ça, mais les Chums... Oh! Et Katana qui sort avec... un son divertissant. Il y a beaucoup de masse dans la foule de... Oui. De Kuo, évidemment. Le Katana Junior aussi. Oui! Les enfants, les femmes, les Chums, tout le monde est diverti. Tout le monde est content de les voir. Évidemment, on a besoin de vous le rappeler, ils ont battu les frères rebelles au centre de cloche pas plus le 15 juin dernier pour devenir les nouveaux champions par équipe. Certains diront controversé comme victoire, mais... Victoire est une victoire. Exact. Le Top Cup Lance Luff, Canadian Hero. Évidemment, Joe Katana, ça fait longtemps qu'ils sont en équipe ensemble. Oui. La WWE. Exact. Ils n'ont pas perdu l'année, cette année depuis. Invaincu. Oui. Oh! Oh! Chaque coup. Démonstration d'habileté. Oui. Une tactique peut-être pour intimider l'adversaire? Peut-être. Mais Border Glory va prendre plus que ça, je pense. Une génération, une autre. Katana, Katana Junior. Il y en a un qui est pour faire la loi. Le Top Cup. Lance Law, le Canadian Hero. J'ai bien hâte de voir, tu sais, évidemment, quand on a des combats avec des équipes qui se respectent comme ça, on l'a vu un peu tantôt avec Crimson X et Gabriel Floyd, là, ouais. Ça prend une base assez rapidement des fois. Exact. Est-ce que ça va rester? Oui, voilà. Les titres sont en jeu, mesdames, messieurs. Déjà un combat des plus importants de l'année, ouais. 2023, donc... Ça débute bien une saison, ça. Oui. J'espère que vous avez apprécié jusqu'à maintenant sur TVC le gala de ce soir, la direction. Exact. On a eu beaucoup d'actions en vente. Puis il reste encore, après ce match-là, il en reste un autre en plus. L'événement principal, Randy Barry contre Thunder pour le championnat GPW. Exact. Qui va commencer le combat, c'est XS Junior et Katana, je crois. Oh, et là, XS semble vouloir peut-être prendre, laisser le... Et voilà. Ouais, parce que souvent, les jeunes lutteurs, ils peuvent faire une erreur plus facilement qu'un vétéran. Fait que c'est normal qu'il commence le combat, monsieur XS, pas de junior. Voilà. Ouais, là, on... Respect mutuel de la part des deux équipes et de la foule ici présente à Buckingham. Les fans n'ont pas choisi leur clan encore, mais ça va sûrement venir. En même temps, il y a rien qu'à faire d'avoir un combat loyal du début jusqu'à la fin. Oui, exact. Je sais que toi, tu n'es pas habitué d'avoir des affaires loyales. Là, mais... Écoute, moi, je crois pas à ça. Il y a une des deux équipes qui va devoir peut-être y aller de déloyal pour remporter le combat. Et s'il y avait un petit 2 à parier, je pense que For the Glory ont plus besoin de cette victoire-là que les Chums. C'est encore drôle, mais je suis pas tout à fait en désaccord avec toi. Là, évidemment, là, on a un contact, mais ça n'a rien donné d'un bord comme de l'autre. On a les chants en double, le duel de chants. Et je sais que Katana... à première vue comme ça, a l'air plus puissant, plus gros que XS, mais XS est un des adversaires, peut-être les lutteurs les plus forts de la lutte professionnelle au Québec. Le fameux pound for pound. Oui, exact. Puis il vieillit pas XS, hein? Non, toujours aussi en forme, puis toujours aussi beau bonhomme. La fontaine de jouvence. L'élixir aussi. Il y en a vu d'autres. Oui, exactement, il y en a vu d'autres, puis ils ont tout fait. Là, les deux s'en vont chacun dans leur... Oh! Et Katana, il est presque tombé là-dessus, XS. Il a fait reculer. Et là, la force imbougeable contre le fameux classique. Oui. Par-dessus, un saut de mouton. Oh!
Oh et oh! La puissance d'Excess, vous en parlez. Oui. Il est fort quand même, c'est Excess. Oh, corde à linge, c'est bloqué par Katana. Qui est en fourchement et un body slam. Il essaie de tomber rapide. Un, et non, évidemment, le thème de la soirée, un compte de 1. Oui. Il toque la close line. Oh! Prends lancé. Un tombé, un, deux. Et dégagement de Katana. Ça me rappelait Hulk Hogan et André Géant, WrestleMania 3, le fameux body slam. Pontiac, Silverdome, Michigan. Il y a 93 000 personnes à cet événement. Oui, en effet, give or take. Là, évidemment, on a encore Excess et Katana dans le ring. Évidemment, on a un fist bump ici, là, encore du sportsmanship. Excellent début de match. Oui. En tout cas, ça l'a réveillé la foule. Légal, en plus. Exact. Oh, et le relais se fait Excess Junior. Oh là là. Il a l'air heureux d'être dans le ring. Et le Let's Cup veut y aller. Se sent d'attaque pour affronter Excess Junior. Le Top Cup. Oui. Et le relais. On a le Top Cup contre Excess Junior. Eh oui. Le hors-la-loi par excellence de la GPW, Lance là. Oh. Une poignée de main un peu féroce là du côté de. En même temps, c'est une police. C'est normal qu'il soit un peu plus féroce que l'autre. T'es en pleine croissance et que ce junior n'a pas fini de grandir, là. Non. Ça va s'aller en s'améliorant pour lui, peu importe ce qui dans sa carrière. Ah, et là, on essaie de voir là qui fait. Oh, et voilà. Et là, un peu moins douloureux qu'une poignée de main de la Faudrait peut-être arrêter le ballet puis commencer à faire de la lutte professionnelle. Là. Moi, j'ai rien contre. C'est légal, c'est correct. On va savoir qu'il a la meilleure équipe sans qu'il y ait de triche ou quoi que ce soit. C'est parfait. Pas venu ici pour voir de la danse. Non, ça c'est vrai. C'est pas du ballet qu'ils disent. Les coupies n'ont aucun effet. Ah, oh, et là, il commence un petit peu. Là, il commence un petit peu, là. Ah, oh, il attrape le pied. Il fait tomber. Il prend par la gorge. Et le Top Cup. Et on le lance dans le coin. Il va capitaliser là-dessus. Bon, dans les câbles. Oh, hey, tabarnouche. Wow! Vraiment toute une manœuvre de Lance là. Il a fait virevolter l'autre avec ses pirouettes. Spectaculaire! On positionne en souplesse. Oh, avec élévation, on le garde dans les airs longtemps. Checker son petit change. Oh! Oh! Wow! Impressionnant! T'as vu la force de Lance là, l'autre? Oui! Il voulait s'en sortir avec ça, Junior, mais il n'a pas été capable. Et tu sais que les policiers, eux, font leur camp d'entraînement à Nicolet, donc ils sont très bien entraînés. Oui, exactement. C'est où ça, Nicolet? Ah, je peux pas dévoiler tous les secrets, hein? Bon, évidemment. Et là, on a Katana dans le ring maintenant. Et chacun de leur côté. Et on se répare. Oh! En bas puis en haut! Oui. Et là, on voit la chimie. Ils sont pas champions par équipe pour rien. Non, c'est pour ça qu'ils ont battu les frères rebelles, la guerre civile 3, mesdames, messieurs. Et pour ça aussi qu'ils sont invaincus depuis le début de l'année 2023. On travaille bien en équipe, mais là, on laisse un petit peu trop de temps que ce junior là. Prendre son souffle. Il devrait pas faire ça du côté des vétérans. Non. Là, arrive. Oh! Il se baisse sur la corde à linge. Là, dans le dos. Oh, il fait tourner de côté. Oh! Et un beau Hurricane Rana! Oui, attention! Attention! Il revient. Oh! Un show chassé, sûrement le plus beau dans l'histoire de la GPW, j'imagine. Non, hein? Bjork était meilleur. Bon, d'accord. Moi, je change pas d'idée, c'est pas là. Il attend que l'autre se lève, là, et est debout. Vas-y, viens-t'en! Oh! Et un croc en jambe dans la corde. Ce qui va faire le 6-1-9. Oh! Non, c'est le 8-1-9! Ouais, et évidemment, c'est la prise fétiche de Rey Mysterio Jr. Oh! Avec élévation! Un springboard splash! On a des nouveaux champions! Un, deux! Et non! Et le Top Cup dit non! Wow! C'est pas le Canadian Hero pour rien, ce Lance-là. Prenez votre calepin, écrivez ce match-là. Le match de l'année 2023, c'est pas impossible. La foule s'est réveillée un peu sur cette manœuvre. Bien exécutée de Excess Junior. Et on va voir comment la famille va travailler ensemble, et voilà. Ouais, le relais se fait. Oh, et c'est peut-être une bonne chose. Oh, il le glance de l'autre côté du ring. Oh, et là, il a le temps de le frapper. Non! Oh non!
Oh! Un coup de genou en plein visage. Et le excess le retient pour un autre sûrement. Et non, oh! Et on a, oh! Un Runagi, un beau rock bottom d'excess. Oh! L'étoile volante. Oh non! Ah, il bloque. Il bloque Katana. Oh! Un backbreaker. Oh wow! Et un saut. Oh! Un spectaculaire! Un wow! Flipping Senton de la part d'Excel Junior et sur Katana. Junior, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un petit clin d'œil, vous l'en et voilà! Voilà, c'est comme ça qu'on fait ça, les gars. C'est ce que je suis capable de faire. Ouais. Et là, oh oh! À l'extérieur du ring, les chums, attention! Oh. La foule est dedans! Est-ce qu'on y va d'un saut suicide? Oh! Est-ce qu'il est prêt? Oh là, il saute! Oh là, il se fait attraper! Oh, mais attention! Il se fait attraper par Lancelot! Attention! Oh! Oh non! Et Katana empêche Excel de sauver son garçon là-dessus. Oui, intercepté en plein vol. Et là, ce qui se passe... Oh non! Oh! Sur la partie la plus dure du ring, aïe aïe le dos! Bon, il recommence. Bien exécuté. Oh! On saute par-dessus. Impressionnant! Excel. Un, deux, et dégagement d'Excel sur Katana. Un beau sunset flip. Une pirouette de plus de 400 livres. Un coucher de soleil. Oh! Oh! Un coup de pied à la pleine figure. Quel match! Et là, il devait en profiter avec un compte de deux, là, un compte de trois, pardon. Un, deux, et non! Le temps que ça a pris avant qu'il fasse le tomber, il était trop tard. Les gens de TVC, si vous avez, ça ne vous a pas donné le goût de rester ou de revenir pour un autre épisode, je ne sais pas ce que ça prend. Ou tout simplement de venir voir au prochain gala de la GPW oui. au mois de novembre. Dans le coin, Excess. Travail d'équipe ici. Oh, un splash dans le coin de Katana. Écrasement. Oh, oh! La lance! La lance de là sur Excess. Mais il est trop fatigué pour faire un tombé. Capitalise pas. Un, deux. Et un dégagement de la part d'Excess. Je t'assure que c'était fini. Là, bonne performance de For the Glory là, ouais. En ce moment. Là. C'est vraiment un match de calibre ouais. Slush Puppy. On va dire ça. Oui, exactement. Le, maintenant, Lancelot, le top cop, attend le, ouais. Que Excess se lève. Il est bon joueur, il laisse attendre de se relever. Ils sont chacun dans le. Oh, oh. Oui! Oh, le relais se fait sans que. Je pense pas que là, le sache. Non. Oh, un coupé en pleine face. Le top cop est sonné. C'est pour ce qui est. Et là, Excess Junior prépare son prochain saut. Il lance dans les câbles. Oh, un autre intiguré derrière la tête. Travaille bien en équipe, hein? Oh! Est-ce qu'il va faire la prise de la tarentule? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voyons donc! La tarentule à pattes cassées, je pense, celle-là. Ça pas... C'est comme un crabe de Boston dans les câbles, dans le fond. Et là, est-ce qu'Excel Junior va encore mettre son corps en danger? Il est sur la deuxième corde, il se prépare! Oh! Un senton! Tout droit sur le dos du top cop! Wow! Grimace de douleur à l'extérieur du ring. Vous n'allez pas voir ça nulle part ailleurs qu'à la GPW. Garanti. Exactement. La lutte professionnelle de Gatineau, mesdames, messieurs. Un, deux, et... Oh! Ça en est fallu de peu pour des deux champions par équipe. Et là, les chums sont dans le trou. Il va falloir qu'ils se regroupent et qu'ils essaient de sortir de cette situation-là. Une impasse. Il va falloir qu'ils fassent ce qu'ils font de mieux, travailler en équipe. Ah, Excess, c'était pour faire le relais à son non. père, mais il a dit non, non, attends une minute, papa. Il va prendre son souffle, là. Pendant que Katana, il dit non, 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 ça se passera pas de même. Oh, est-ce que Katana. Oh, dans le coin! Oh! Oh! Perdu son temps là-dessus avec sa junior, c'est pas une erreur de débutant, ça, là. Oui. Oh, oh! Et Katana reçoit le coup, malheureusement, de Lancelot. Et la police voulait rentrer dans le mur. C'est pas ça l'expression, c'est quoi? Ah, c'est tossé. C'est tossé, oh non! Coup de pied en plein visage. Est-ce que... Oh, oh. Mais là, le pourcentier. Oh! Oh! Aïe, 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 aïe. Cul par-dessus tête. Oh! Le briseur de code. Je pense qu'on va avoir des nouveaux champions, mais non. Katana dans le ring. Oh, oh! Non! La... Oh! Un beau Michinoku driver. Oh! Un coup de pied. Et là, tout le monde est à terre. Oh, et là, la poule apprécie le spectacle. Quel match! Wow! La foule est debout, ça applaudit. De l'action au maximum. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux champions par équipe ou les chums vont aller puiser dans le réservoir d'énergie pour garder leur ceinture? Le réservoir est presque vide pour les deux équipes. Oui. Il va falloir un coup de génie pour s'en sortir parce que là, ça regarde mal. Là, les deux montent à genoux. Là, et évidemment, Excess Junior. Oh, et deux.
Ça dégénère. Là. On l'avait dit tantôt, ça a beau être des lutteurs favoris de la foule, mais ouais. Les champions sont en jeu. On faut faire attention. Oh! Oh, un coup de genou! La foule est investie, là. Ouais. Oh, oh. Le relais se fait, excellent, on le sait pas. Oh, coup dans le ventre! Le kitchen sink! Le lavabo de cuisine! Et un coup de coude sur Excel Junior du Top Cup. Oh! Belle roulade en chaud chassé de la part d'Excel Junior sur Lancelot. Sauf que là, Top Cup devrait pas être dans le ring en ce moment. Là. Non, il devrait faire le relais à son partenaire qui est plus... il est frais. Je me demande même si l'arbitre a vu la tag. Là. Je pense que oui. L'arbitre est expérimenté ici dans le ring pour ce combat-là. Dans les câbles. Oh! Non! Il renverse la tentative de déprise par équipe. Les deux sont à genoux. Ils sont penchés. Oh non! Oh! Un genre de 3D! Un cutter en élévation. 1, 2, et non! C'en est fallu de peu. J'étais sûr que c'était fini. Je sais que je l'ai dit souvent, mais j'avais l'impression qu'on avait des nouveaux champions par équipe. Là, tu peux le dire parce que c'était vraiment vrai. Oh! Chums, la foule scande au nom des Chums. Oui, oui. Et je sens une certaine nervosité dans la foule, hein? Oui, ben oui, mais en même temps, les équipes favoris de la foule, je pense pas que ça les fâcherait que les Tough Mudder Glory deviennent champions. C'est pas comme si c'était des frères rebelles, mettons. Puis l'autre, là, Freeman. Là. Dans les câbles! Oh, c'est baissé la corde à linge. Oh, un double coup de la corde à linge! Et là, maintenant, faut faire le relais, t'as pas le choix. Est-ce qu'on va assister à la maison de feu, mon cher TJ? La maison de feu de Crow Katana. On a vu tantôt les Nunchaku. Il va falloir qu'il sorte encore plus que des Nunchaku s'il veut gagner le combat pour son équipe. Mais il est capable. Oh! Il a fait l'expérience, un contre l'autre. Et Excel Junior tombe au tapis avec une Atemi. Excel Junior avec une corde à linge. Ça laisse la recrue seule, quasiment. Avec oh! Ah non! Aïe aïe! Trouble in Paradise, un coup de pied en se retournant. Le Katana, là, on voit qu'il n'y a personne à la maison. Là. Les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison. Ouais. On va faire un saut. Springboard! C'est bloqué! Non! Oh, la lance! Oh! En plein vol! La lance! Et là, il faut faire le tomber. C'est terminé, là. S'il réussit à mettre... Oh, ouais, non! Katana le place. Il pense pas que c'est fini, mais en même temps, il ne faut pas prendre de chance, des fois. Il veut s'assurer que le travail va être terminé pour de bon. Oh non, la lance sur Access. Oh, coup de coude, le troisième câble. Le tombé. 1, 2 et 3. Oh, et les Chums. Par la peau des dents, toujours champion par équipe de la GPW. Remporte le combat, toujours champion. Et quel combat, mesdames, messieurs. Vous avez eu la chance d'assister à ce chef-d'œuvre. Oui, tout un match entre deux équipes impressionnantes. Wow. Content d'avoir été là pour décrire ce match-là. C'est impressionnant. Ouais. Bravo! Et on l'a dit tantôt, on était une équipe de 23, mais c'est une victoire dans la colonne. Mais il faut tout donner crédit à Fall of Glory. Ils sont présentés d'aplomb. Ah, il était ici pour remporter les champions par équipe. Il n'était pas ici en tourisme. Je ne sais pas si tu entends, là, mais j'aimerais bien ça voir un rematch. Oui. Je pense que leur performance a tellement été honnête qu'ils mériteraient d'avoir un match numéro 2. Plus qu'honnête, je trouve. Là, la musique s'est éteinte. Ah oui. Marque de respect entre les deux équipes. C'est de bonne guerre. Exactement. Oui. Et la foule applaudit à Buckingham. Le genre de spectacle que les gens apprécient. Et tout le monde repart heureux. Oui. Ben, Fall of Glory un petit peu moins, là. Ouais, mais je pense qu'ils ont assez bien performé pour se mériter une deuxième chance. Ils n'ont pas baissé la tête, ça, c'est certain. Hâte de voir l'avis du commissionnaire là-dessus. Oui. Trey Humongous. Junior! À soir, on avait la chance d'avoir les belts. À la place, non seulement à affronter des adversaires, mais je peux vous dire qu'on s'est fait des chums. Oh, bien dit de la part d'Excess là-dessus. Oui. Très bon match, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié autant que nous autres. Oui. Croyez-le, croyez-le pas. Il reste encore un excellent match à la carte. C'est pas fini, là. Il en reste un autre. Et bonne chance pour suivre ce match-là sur la carte. Comme ils disent en anglais, top tap. Oui. Excellente prestation des deux équipes.
Je manque de mots, puis ça, c'est rare. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est rare de manquer de mots. T'en as tout le temps d'habitude. Mais non, une belle victoire pour les chums. Ouais. Évidemment, qu'un rematch contre les frères rebelles qui s'en viennent dans le rétroviseur. Donc, on peut vous assurer que le gagnant du match revanche, peut-être entre les chums et les frères rebelles, ben peut-être que les prochains en ligne pour un autre match de championnat par la suite sera Excess Exception for the Glory, évidemment. Jamais. On va savoir la prochaine semaine à la GPW. Oui. On va savoir bientôt, encore plus bientôt que ce qu'on va savoir le bon championnat par équipe, c'est qui va sortir de Buckingham champion de la GPW. Pendant qu'ils font le moitié-moitié, mon frère Marco, ben, parlons du match de championnat Thunder contre Randy Barry. Oui. Randy Barry qu'on a vu beaucoup tantôt au début du gala avec son partenaire, un de tes préférés, Ryan Donovan. Ryan Donovan, mais là, ils ont fait clairement savoir qu'ils voulaient peut-être un match pour le championnat par équipe, donc une autre équipe à mettre en lice pour être champion par équipe de la GPW, mais aussi peut-être pour détrôner M. Thunder pour le championnat. Championnat de la GPW, fait, est-ce qu'ils vont aller chercher peut-être deux, trois ceintures? Ben là, tu sais, des fois, quand tu vises un peu trop haut sans regarder par-dessus quelque chose, c'est ça qui fait perdre ton momentum et ta chance, parce que là, il veut les Stallions par équipe, il veut affronter les Stallions, tu sais, il veut avoir plein d'affaires, mais c'est Thunder à ce soir, il faut qu'il s'occupe. Oui, puis Thunder, évidemment, remporter la ceinture GPW au centre Slush Puppy, mais quand tu remportes la ceinture puis que tu es en haut de la montagne, mais évidemment, tu as une cible derrière le dos et tout le monde la veut, cette cible-là. Tout le monde veut cette ceinture-là. Un mauvais pas, puis tu tombes en bas de la montagne assez rapidement. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Thunder? Est-ce qu'il va être encore champion avant la fin de la soirée? Est-ce que PCO a un œil sur la ceinture de Thunder? Est-ce que FTM va revenir cette saison à la GPW? Plein de questions qui vont être répondues. Shackles aussi, le gars qu'on a vu à la fin de Slush Puppy. Shackles, c'est quoi l'histoire entre les deux? On va découvrir ça au courant des prochaines semaines. Oui, évidemment, Thunder qui est champion depuis Slush Puppy. Il avait battu, évidemment, Beast King. Beast King qui avait une bonne séquence, une bonne run, parce qu'il avait battu des gens comme Kevin Beru pour garder le titre exactement de la GPW. Puis évidemment, à Slush Puppy, à la guerre civile 3, il a trouvé son homme en Thunder. Mais là, Thunder, à Star qui est rendu champion, c'est de savoir s'il croule sous la pression ou bien c'est ce qu'il fallait pour qu'il soit encore plus fort dans l'échiquier de la GPW. Exact, parce que c'est une chose de remporter la ceinture, mais c'est une autre chose de la garder. Ouais. Donc, la cible est tout le temps là. Exact. Donc, Thunder, on va le savoir dans quelques instants, évidemment, au retour. Et aussi, ne manquez pas, on va avoir un autre gala sur les ondes, évidemment, de TVC, de la GPW au mois de novembre. Ça sera le 18 novembre, donc... Il n'y a pas de match d'annoncé pour l'instant, mais gageons que rapidement, ça va sortir, puis rapidement, on va avoir des combats d'envergure, comme qu'on vient d'avoir entre les Chums et For the Glory. Oui, évidemment, rapidement, on peut parler un petit peu de la carte de plus tôt aujourd'hui. Évidemment, ouais. Mélanie Aveuc a gagné son combat contre Cici Galavis. Elle exact. Aussi va être une marche plus haute pour aller voir le combat de championnat contre Nova, en arrivant rapproché. Exact. Puis évidemment, aussi, on a eu un bon match aussi avec le nouveau regard de J-Row. Oui. Asgard King, le paradis des Vikings, directement du Valhalla, qui a fait son entrée, fructueuse. Oui, puis on a vu aussi au début du gala, les frères Rebels donner une correction à James Hunter et Justin Rush, mais ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai vu de Rush et Hunter, ils n'ont pas eu peur malgré le défi. Oui, exact. Et tu parlais de Rush Hunter, Gabriel Floyd contre Grimson X dans un match de haute voltige hautement intéressant. Oui. Match remporté par Grimson X et Ryan Donovan qui était censé être dans le combat dans un match triple menace s'est retiré en disant que c'était pas un combat de son calibre. Évidemment, Ryan Donovan m'avait texté plus tôt dans la journée pour me dire qu'il y avait une blessure. Semble être rétabli parce que c'est un humain hors norme, quelqu'un qui récupère très vite de ses blessures. Donc Ryan Donovan n'a pas lutté ce soir, mais il va être présent dans l'événement principal avec Randy Barry. Donc, jetez un œil sur Ryan Donovan qui a toujours un plan pour aller directement en haut de la montagne. Je peux pas croire qu'il ne paye pas. Non, Ryan Donovan, c'est le meilleur talent qu'on peut avoir sous les yeux à la GPW à travers le Québec. Je vous le garantis, vous allez l'adorer, Ryan Donovan. Ouais. Évidemment, là, tout ça va être Slush Puppy. J'ai hâte de voir les combats qu'il va avoir. C'est, évidemment, c'est pas tout de suite, le Slush non, Puppy. Non, au mois de juin. Au mois de juin, mais j'ai hâte de voir
la carte qui va se dessiner vers, pour nous en attendant pour la GPW. J'ai hâte de voir ça. Imaginez-vous, on est juste au mois d'octobre. C'est le premier gala de la saison et déjà, on est excité pour la route qui a commencé ce soir. Évidemment, sur TBC. Donc, ça va être toute une saison. Puis, je suis bien excité de savoir qui va sortir de cette route-là avec les différents championnats. Oui. Gageons qu'il va y avoir du monde qu'on n'a pas vu ce soir, qui va être là dans le prochain gala au mois de novembre, puis les galas à suivre pour la GPW. Fait que, évidemment, là, on est prêt pour le main event, l'événement principal de la soirée. Oui. Au coût de 15 $, allez sur le site web du centre Slash Poppy pour acheter vos billets. Le prochain combat est pour le championnat poids lourd de la GPW, commandité par Buckingham Fitness, arbitré par Louis Gray. Assis-toi, là, il n'est pas là encore ton chum. Je suis assis. Prends pas de chance avec toi. Et est-ce que les fans vont s'en aller? Il nous vient de Alexandria, en Ontario, pesant 200 livres, faisant partie de l'équipe Maximum Heat. Accompagné par The All-Star, Ryan Donovan, The Rage, Randy Berry. Et voilà. Le passé, le présent et le futur de la GPW, The Rage, Randy Berry et mon ami Ryan Donovan. Oui, il y a de quoi, il y a anglais sur roche avec vous autres, je pense. Comment qu'on dit en anglais, t'as l'air de look like a million bucks? D'un million de dollars. Et voilà. Hey, il est beau son jacket à Randy Berry, en font-tu pour homme? T'es vraiment d'une autre époque. Ouais, je sais. Bon, on va juste la blague, il faut que je l'arrange un petit peu. Wow. Ce qui n'est pas une blague par contre, c'est Randy Berry, c'est un adversaire redoutable pour n'importe qui, même Thunder. Et Ryan Donovan me semble en excellente forme. Ryan Donovan aussi, il faut le surveiller parce que s'il n'y a pas de personne pour l'aider à l'extérieur du ring, Thunder, ça va être une cible de plus encore. Ah oui. Manque pas de confiance, ces deux gars-là. Pour réussir dans la vie, ça prend de la confiance et ça prend surtout du talent, comme ces deux gars-là ont. Ils puent le talent, c'est ça? Le moment tant attendu, dit Berry. Surtout pour moi. The crowning of the new GPW Heavyweight Champion. Un nouveau champion poids lourd, la GPW. Randy Berry. La rage, Randy Berry. C'est ses mots, pas les miens, mesdames, messieurs. Bear witness to the shortest title reign in GPW history as Thunder. Your so-called hero goes down tonight, once and for all. Votre héros Thunder sera pas de taille contre moi, dit Berry. Thunder, you are over the hill. Time is up. You are nothing more than a washed-up has-been. And when it's all said and done tonight, not only am I taking his belt? I'm also gonna take his lovely énormément wife. De chandails de Thunder dans la foule. Ben oui, c'est un gros vendeur, Thunder, évidemment. Tout le monde l'aime. Favori de la foule. Oh! On a Thunder en arrière, là. La foule montre leur mécontentement face à Randy Berry et surtout Ryan Donovan. Oui. Ruthless Ryan Donovan aussi, là, faut pas oublier. C'est pas juste un surnom pour le fun, là, Ruthless. Là, il est ce qu'il est. Thunder qui semble pas intimidé du tout par Donovan et Berry. Randy! T'es bon, t'es
Mais je pense que le monde ici, Buckingham, sont tannés d'entendre. Êtes-vous tannés d'entendre? Oui! Oh, c'est pas moi qui disais ça, excusez. Clairement, un avantage pour Thunder dans la sa maison. La seule chose que j'ai à dire, gang, c'est... C'est trop grand comme maison. Oui. C'est pas une petite piole. Êtes-vous prêts ce soir? Come on. Et là, il y a un toit, mais j'ai pas l'impression qu'il va rester ici longtemps. Il pleut dehors, en plus. C'est pas le fun. Buckingham! Are you ready? Êtes-vous prêts, Buckingham? Donne donc une chop à LP avant de partir, non? Et Ryan Donovan te répondrait. Il nous vient de Gatineau, pesant 290 livres. Ah ben, c'est lui qui répond. Le champion poids lourd. Les deux. Thunder! Vous pouvez l'entendre à la maison, le messieurs Thunder. Ça fait juste dire son nom, puis la foule est déjà en train de crier comme des déchaînés. Et on vous rappelle, 15 juin 2024, sans Slush Poppy, les billets sont en vente. Allez visiter le site internet de la GPW. Et celui qui est sorti grand gagnant du centre Slush Poppy 2023, Thunder, le champion. C'est loin encore, peut-être que Thunder ne sera pas champion au prochain Slush Poppy ou à la prochaine guerre civile, la guerre civile 4. Ça va être difficile. Et voilà, la foule est debout. Les jeunes sont impressionnés par Thunder. Et ne vous fiez pas au poids, parce que Thunder, c'est tout un athlète. Oui, là, le respect mutuel de la foule qui est derrière Thunder. J'ai vu le regard, la confiance dans ses yeux. Un regard de feu à la Maurice Richard. Une confiance qui va s'éteindre rapidement aux mains de Barry Donovan. Surtout si Donovan triche pour l'autre. C'est pas le genre de Donovan. Non, ben non, non. Le ciel est rouge ici, c'est pas ce que tu savais. Thunder qui est prêt pour ce défi. Dit que tu as parlé à Donovan dans la journée. Moi, j'ai parlé à Thunder aujourd'hui, puis il m'a dit qu'il avait très hâte de commencer une belle saison avec une victoire, même s'il sait que Barry et Donovan vont tout essayer de faire pour que ça arrive pas. Je te le souhaite et je vous le souhaite, Buckingham, parce que si jamais il laisse tomber la foule, ça va être une déception totale et ça va être dur de se relever pour Thunder. Donc, c'est un victoire, un must win, comme on dit. Ça peut pas arriver. Thunder, ça arrivera pas. Il veut pas. C'est impressionnant, je vous entends même plus parler. Si j'étais, j'étais l'arbitre, je sortirais ça de Donovan de l'extérieur du ring. Que ce soit un contre un. Pas deux contre un. On pourrait couper l'électricité avec un couteau, mesdames, messieurs, tellement que la foule à Buckingham est en feu pour Thunder. Oui. Incroyable. Clairement favori. Est-ce qu'il va être Thunderstruck, Monsieur Barry? Oh, la confiance de Thunder. Je pense qu'il est prêt. Je l'ai dit, il avait hâte tantôt de voir dans le ring contre Randy Barry pour commencer la nouvelle saison de la GPW à Buckingham. Un match qui va être difficile à prévoir par contre. Oui, c'est sûr. Avec l'élément Donovan, surtout à l'extérieur du ring, on sait jamais ce qui va arriver. Même toi qui es un grand fan de Donovan, dois savoir qu'est-ce qui va se passer. Là. Ouais, mais c'est pas Donovan qui est dans le match, c'est Barry. Donc les choses seront très différentes. Justement, mon point, c'est pas lui qui est dans le match, il devrait pas être là. Est-ce que sa licence de manager, lui, je pense pas. Oui. Et là, Barry prend son temps. Il n'y a pas de temps limite. Non, la cloche n'a pas sonné, est-ce que je cherche, non? Et voilà. Mais là, c'est sûr que si Thunder ne va pas le laisser rentrer, on ne pourra pas débuter le combat. Ça se gagne dans le ring. Un championnat, ça se gagne dans le ring, puis ça se perd dans le ring. Est-ce que Thunder, peut-être... attention, Donovan à l'extérieur. Il est chanceux en tabarnouche qu'il soit parti. Le sacripant. Ça, c'est un match que je t'avoue que quand j'ai vu ce match-là sortir, une petite marque sur mon calendrier, j'avais hâte d'être là ce soir. Ah oui.
J'espère à la maison aussi. Oui. Évidemment, on a un main event de feu, mais la carte aussi était superbe avant ça. Fait que j'espère que vous allez être des nôtres pour le prochain épisode de la GPW sur TVC. Et voilà pour ce genre de match, pour ce genre de gala, pour cette promotion qu'on vous amène sur TVC pour un spectacle que vous n'avez jamais vu avant. Et là, deux gladiateurs vont s'affronter pour le titre ultime, le prestige de la GPW. C'est pour ça qu'on attache nos bottes quand on est lutteur pour des combats comme ça. Oui. La foule, évidemment, n'est pas du côté de Barry là-dessus. Il va seulement s'enrager. Hein? Il est facile à faire fâcher, M. Barry. Évidemment, ce que j'ai dit tantôt. Oh, et Thunder monte sur le câble pour l'adulation des fans. Et on n'est pas déçus à Buckingham. Mais c'est pas un concours de popularité. Non, en effet. C'est de savoir qui va arriver les épaules au tapis de l'autre pour un compte de 3 et devenir le nouveau champion ou rester le champion de la GPW. Est-ce que Chash et Barry qui a commencé? Ça vaut à lui? Pas obligé de suivre. Ils sont plus en bas d'un pont, ce qu'on suit. Ben là, après. Non, mais en tout cas. Et la foule, évidemment, là, ça lève mon casque tellement que c'est fort, là. Et Thunder, évidemment, est un peu plus grand que Randy Barry, mais Randy Barry est un peu plus musclé que Thunder. Oui. Force brute. Oui. Oh. Et là, Barry commence à penser qu'il a fait une erreur, peut-être. Et là, on s'étudie. Évidemment, on ne veut pas commettre d'erreur. On veut être sûr à 100% d'avoir le bon plan de match. Oui. Thunder, encore une fois, il pousse Barry au tapis. Il va falloir qu'il regroupe avec son chum Donovan. Je pense que c'est une erreur d'aller passe contre Thunder parce que la montagne ne sera pas facile à monter. Le Mont Everest ne se montrera pas en 10 minutes de match. Non, ça c'est sûr. Oh, ça donne un peu de momentum. Et coup de bélier. Et non, aucun effet sur Thunder qui reste tout droit debout. Pendant que Barry s'en va au sol. Et là, Donovan qui semble donner des directives à Barry de loin. Toi, leur signaux un peu comme au baseball, là, j'imagine, ces deux-là. Là. En autant qu'il n'y ait pas de tricheur pour attraper les signaux. C'est vrai. Et là, il se crinque, là, il se crinque. Mais non, c'est pas assez encore une fois. Tu l'as dit qu'il faut parler force contre force. Puis là, il tombe dans le panneau, Randy Barry, là. Il doit faire bouger Thunder et le plus longtemps le match durera, l'avantage sera du côté de Barry parce qu'évidemment, le cardio est du côté de Barry. Thunder, c'est pas sa force. Thunder, on sait que c'est un lutteur puissant, mais pas rapide. On a un autre contact ici entre les deux. Est-ce que Thunder va tenter de l'isoler dans le coin? Ah, évidemment, et on demande la pitié, on demande le pardon. On se regroupe, là. Ouais, on sait pas quoi faire, mais on se regroupe dans ce temps-là, c'est ça? Et voilà. Dans les cordes encore une fois. Et non. Même résultat. Ouais. Il demande à la foule comment je m'appelle. Il va dans les cordes. C'est à mon tour, dit Thunder à Barry. Dans les cordes. Oh! Ah, évidemment. Donovan. Et voilà. Voilà. Et voilà. On s'attaque aux jambes de Thunder. C'est pour ça que je voulais qu'il le mette hors du match. C'est pas un contre un. Là. C'est un World Championnat en simple. Écoute, Donovan m'en avait parlé de la stratégie. Et il m'avait dit, il y a deux seules façons de gagner ce match-là. S'attaquer aux jambes et de courir autour de Thunder pour l'essouffler. Très belle stratégie du maître Donovan. Je pensais que tu avais dit qu'il y a juste une façon de gagner, puis c'était en trichant tout le long. Non. Là, on a vu que Barry t'a parlé de faire tomber Thunder, fait qu'il fallait qu'il utilise l'artillerie lourde. Malheureusement, ça vient pas de son côté, ça vient de son partenaire Ruthless Ryan Donovan. Oh, est-ce qu'il va abdiquer déjà? Il tente de toucher la corde, mais ça me semble loin. Ouais. Ah. Et là, par exemple, tout le monde est la même grandeur au tapis, hein? Ouais.
Évidemment, on l'étrangle. Et on arrête au compte de 4 du côté de Brandy Berry. Et on recommence. Et là, on a envoyé notre meilleur arbitre qui semble vraiment à prendre son travail au sérieux. Et c'est tant mieux parce que c'est un combat d'importance. L'arbitre senior de la GPW. Exact. Un coup de pied sur l'épaule de Thunder. Et là, le plan de match est commencé là, pour, du côté de Barry là, avec, son travaillage de jambes. Excellent plan de match. Par contre, Barry, oublie pas que tu peux pas gagner le championnat à l'extérieur du ring. Par contre, de 10, tu dois le remonter en dedans et compter le compte de 3 ou le faire abdiquer. Et un gars comme Thunder à l'extérieur du ring avec une jambe en moins, ça va monter moins vite dans le ring que prévu. Fait que s'il veut rester, il veut être champion, il veut faire attention. Et là, Barry avec une atémie sur Thunder, sur les woos de la foule. Il va faire attention. Là. Qui pense atémie, il pense à Ric Flair. Oui. Oh! Et la foule chante « Let's go Thunder! » Pour reprendre une expression d'hockey, a clairement l'avantage de la glace. Oui. Ah, et là, on brise le compte du côté de Barry pour redémarrer le décompte. Je vais vous dire ce que je veux de lui, mais c'était très intelligent comme manœuvre. De toute façon, il comprend pas le français, on est correct. Donovan va y traduire ça. Ah, c'est vrai. Prends des cours de français justement avec moi, Ryan Donovan. Ah ouais? Oui. Ah, c'est pour ça que vous êtes David et Danny Crush dans le même ensemble. Et là, Thunder se fait ramener dans le ring par Barry, son challenger pour la ceinture, son aspirant. Et là, on va mettre sa jambe sur le poteau. Et là, on va faire le classique. Oh non! Sur le poteau trempé d'acier. On a reçu. Et là... Non, évidemment! Je savais! Et voilà, c'est commencé. Le travail de destruction est commencé. Est-ce que Barry... En fait, Barry sortira champion de la GPW ce soir. Est-ce que Barry et Donovan vont sortir co-champions, tu veux dire? Non, il y a juste un gars dans le match, puis c'est Barry. Pourtant, j'ai vu Donovan qui n'est pas dans le match faire de quoi, il n'a même pas 30 secondes. Mais bon, tu vois ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Encore une fois, là, mais voyons donc. Mais là, c'est l'arbitre. L'arbitre est sous le dos de Barry en ce moment. Give me a break. Oh. Évidemment, il se retourne juste à la fin. Pour que l'arbitre ne voie pas ce qu'il a fait. Oh! Ça ressentit, ça, ce coup de poing-là au plein visage de Thunder. Une droite de la droite. Oui. Et on laisse descendre la cuisse de Barry. Essaye de tomber. Un, deux, et non, il touche la corde. Il sait où il est dans le ring, Thunder, à tout moment. Barry est très méthodique dans sa façon de travailler le corps de Thunder. Barry et Donovan, oui. Il semble avoir quelque chose contre Donovan. Non, j'ai quoi contre l'action quand c'est pas loyal, c'est tout. C'est pas un combat triple menace ou un combat handicap, là, c'est un combat en simple. D'avoir un contre un, personne alentour du ring. Parce que les plaies comme Donovan et Oscar Freeman aussi méritent pas leur place à l'extérieur du ring. Là. Mano Imano. Oh! Un coup de poing de la corde, un peu à la Jerry the King Lawler. On avait les mots de la bouche. Et oh! Un compte de deux, in extremis, il dégage le champion de la GPW, Thunder. Jerry Lawler, un des plus grands vilains du sport de la lutte professionnelle, oui. Que à peu près tout le monde a passé par son territoire de Memphis. Oui! Et la foule commence à encourager Thunder qui, tranquillement, pas vite. Mais non, encore Barry. Une projection dans les câbles. C'est renversé par Thunder qui revient. Un side slam bien exécuté. Et là, il va donner un petit peu de répit à Thunder pour quelques secondes. Un, deux, et dégagement de Barry à deux. Ouais, la fraction de seconde que Thunder a perdue. Pour aller faire le compte sur Barry, ben ça lui a coûté le compte de 3. Ouais. En même temps. Oh! Un brise-mâchoire! Oh! Et un coup de pied super! Quelle belle exécution! C'est terminé! Un! Un! Et deux! Et deux! Et
Oh! Dégagement de le Thunder après un beau super kick. Une prise, évidemment, qu'on connaît de Shawn Michaels et de Gentleman Chris Adams qui l'a inventé. Et qui l'a amené surtout en Amérique du Nord. Pendant qu'on a une prise de tête. On tente d'endormir l'ours. Ouais. On lui crie des bêtises à l'oreille en même temps. Pour bonne mesure. Et la foule est encore derrière Thunder à 100%. Ouais. C'est peut-être dans le fond, la raison pourquoi Thunder n'a pas encore abdiqué. C'est comme le 12e homme au football. Là. La foule est vraiment grande. Exact. Pour aider un lutteur à rester dans un match de lutte. Et il sort avec des coups de coude à l'abdomen de Barry. Il est dans le coin. Projection renversée par Barry. Rentre de plein fouet. Oh! Alors, il a mis son coude pour se défendre là-dessus. Oui. Thunder, encore une fois. Et le Barry est au sol. Oh, est-ce que... Est-ce que Thunder est prêt? Oh! Corde à linge! Et là, malheureusement pour Barry, oui. Je pense que Thunder a pris tous ses moyens. Et on a ici, il prend par la gorge. Mais non, il tire les... L'aveugle. Encore une fois, c'est passé d'être deux contre un, il faut qu'il mette les doigts dans les yeux en plus. En fait, ce que je pense qu'il a essayé de faire, c'est une pompe de la main sur la tête, mais le front de Thunder est tellement glissant que ça a bifurqué vers les yeux. Ça doit sûrement être ça. Bref, on descend les bretelles. Oh, c'est peut-être une erreur, je crois. Une atémie, mais là... Ça a réveillé Thunder, je pense. Attention. Barry court vers le coin. Non. Oh, un splash. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que Thunder est dans les vapes pour vrai. Ouais, je pense que là, il l'a dans les câbles. Oh non, oh! Il s'est lancé! Et là, Thunder laisse Barry dans le coin. Et on est prêt. Oh! Une chop! J'espère que t'aimes les chops, mon Randy, parce que ça fait pas du bien! Lance dans l'autre coin. Oh non! Il non. a un peu de momentum. Oh! Air splash! Il l'a écrasé complètement Barry dans le coin. Galette de riz pour souper! Yeah. Oh! Aïe, aïe, aïe! Et là... J'ai le chèche rouge, j'étais même pas là. Ça a résonné jusqu'au sens là, je suis pas pis. Oui, hein? Une atémie. Aïe! Bon, ben là, je donne pas cher de la peau de Randy Barry. Je suis vraiment content de plus lutter pour vrai quand je veux les affaires de même. Surtout contre Thunder, hein? Ouais. Là, il est devant. Il demande pardon. You Donovan, là, pour l'aider. Tout le monde a droit à son pardon pour une deuxième chance. Je pense qu'il devrait y donner. Oh oui, oui, ça, il tombe pas d'en face s'il fait ça d'abord. Hein? Mais non. Bien fait de Thunder, coup de pied dans le ventre. C'est le genre d'homme que Thunder est, apparemment. Ouais, ouais, depuis tantôt, il combat le feu avec le feu. Hein? Et l'arbitre, là. Il y a jusqu'à 5 pour l'enlever. Et là, Donovan fait son travail, enlève Thunder des cordes. Non, Donovan, son travail est d'être backstage à regarder le combat sur le moniteur. Thunder relève Barry. Amène dans le coin encore une fois. Il le projette dans le coin de l'autre côté. Et Barry renverse encore une fois. Et là, Thunder. Et non, il se tasse encore une fois. Barry n'a pas appris sa leçon, je crois. Non, erreur après erreur, Barry là. Oh, on le cadre. Coup de pied dans le ventre. Oh, le pump and don't slam. La poignée de pompe. Oh là là. Et je crois que c'est. Fini Anini pour M. Barry. Hey, ça rime. Mais là, je pense que Ryan va devoir peut-être... Tricher? Non. Peut-être être plus rusé que Thunder. Là, oh! Si Barry ne se lève pas de ça, c'est terminé. Est-ce que les corps vont tenir? On a renforcé le ring à Buckingham. Oh! 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 C'est terminé. 1, 2 et 3. Oh! Et si vous cherchez le corps de Randy Barry, ben il est rendu sous ring. Sortez la spatule, il est à terre. Et Thunder, après avoir gagné la ceinture à Slush Puppy à Guerre Civile 3, récidive en début de saison pour garder son titre contre Randy Barry, malgré les interventions constantes de Randy Donovan. Et même si, je dirais pas que j'ai un parti pris, mais pour Randy Donovan et son équipe, ça a été tout un événement principal qui n'a pas déçu pour ce
premier gala de la saison de la GPW. C'est seulement le début, imagine en plus. Wow! L'arbitre donne la ceinture de champion à Thunder. Et la foule va sortir de Buckingham très, très, très contente. Oui! On va envoyer tout le monde heureux, sourire au visage. Mais... le 480 des pins est content. Oh! Et oui! Et voilà! Ryan Donovan! Ben voilà, ah oh non! Voyons! Hey! Thunder! Attention! M'entends pas d'ici! Oh, et voilà! Et voilà! Je l'avais dit! On a... c'est pas correct ça! On avait un... je vous dis, il y avait un plan! Oh! Oh, t'as pas nos yeux, Thunder! À la Monsieur Fuji! Oh! Et un coup de pied circulaire en pleine poire! Ah, oh, évidemment, là, sont deux contre un! On peut pas accepter la défaite, évidemment. Et voilà. Et là, je pense que hors de tout doute, on peut se dire que Ryan Donovan est en pleine santé, mon cher TJ. Et peut-être le tout prochain. D'un coup, hein? Oh! Et c'est... oh, c'est Brett McLeod! C'est The Stallions! C'est Nightman! Et là, il frappe tout le monde! Et là, il sauve, là. Maison nette! Évidemment, pour qu'il soit... pour qu'ils mettent ça deux contre deux, ils n'ont pas le choix. Là, on a vu un peu d'interaction entre les deux équipes tantôt, mais gageons que c'est pas la fin avec Nightman et Brett McLeod, et évidemment Randy Barry et Ryan Donovan. Évidemment, Thunder et Stallions 3 contre 2. Ça, tu trouves ça fair, toi? Ben, il était 2 contre 1. Là, c'est rendu, ils ont fait ça égal 2 contre 2. Incroyable voilà. Comment tu changes ta chemise de bord vite. C'est pas évident, en plus. Et évidemment, Nightman et McLeod invitent... Barry et Donovan dans le ring, mais évidemment, tout d'un coup, ils ont peur quand c'est égal. Un peu déçu de la foule de Buckingham qui encourage ce genre de tactique 3 contre 2. Mais bon, c'est normal que tu penses ça comme ça. T'es d'ami avec Ryan Donovan puis Oscar Freeman. Et est-ce que... le Thunder, évidemment, il y a eu de l'aide, heureusement. Oui. De Nightman et McLeod, parce que sinon, je pense pas que ça aurait rendu à Flash Poppy au mois de juin du Thunder pour être un franc. Ça aurait peut-être même pas rendu le mois prochain au gala, le mois prochain, mais par contre, il est toujours votre champion de la GPW, mesdames, messieurs, Thunder! Je pense que vous avez apprécié évidemment Résurrection ce soir. Ouais. Avec une carte splendide. Et une finale surtout à couper le souffle, mon cher TJ. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais. Absolument. Ça met la table pour le prochain gala. Évidemment, la demi-finale. Oh! Qu'est-ce qu'on a maintenant? Oh! C'est PCO! La légende québécoise qui est de retour. Est-ce qu'il est là pour défier Thunder? J'avais parlé tantôt, on ne sait pas les intentions de Fusion. C'est vrai. Est-ce que... non. Oh, oh. Il prend la ceinture de Thunder. Il lui donne. Oh, oh, oh. Est-ce que c'est un prélude à ce qui pourrait arriver prochainement? Slush Poppy ou avant, peut-être? Thunder remonte, c'est quoi? Un championnat. Mais PCO n'a vu d'autres, les championnats. PCO contre Thunder? Prenez mon argent! Oh là là! Oh! La foule a vite changé de côté, hein? Oh! C'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre. Poignée de main entre les deux. Wow. Face à face de Titan. Il y a les yeux sur le prix. Vous avez votre poster maintenant pour le prochain gala, les gars. Est-ce que ça va être au prochain gala? Est-ce que ça va être plus tard? Slush Poppy peut-être, Guerre civile 4. Il va falloir regarder sur TBC chaque semaine, ben en fait chaque mois. Oui, chaque mois, on va avoir des galas spéciaux pour vous, chers spectateurs de la TBC. Oh, wow. Wow. Tu sais, quand on dit de bien commencer puis de bien finir un gala, la GPW mission réussie. Mission accomplie. Wow! Il n'a pas raté son retour en sol québécois, ce PCO. PCO pointe la ceinture et Thunder! Oh. Un développement majeur!
Et rien d'enlever à Randy Berry, mais c'est pas PCO, hein? Non, c'est sûr. Brian Donovan non plus. Quel fin spectaculaire! Incroyable! Un show de A à Z, rempli d'émotions. Oui! Thunder qui salue ses fans, qui salue évidemment ses supporters qui sont là depuis jour 1, qui ont aidé à faire grandir la GPW. Alors Thunder, évidemment, commence l'année de belle façon, la saison estivale, on peut appeler ça comme ça, de la GPW, en étant toujours votre champion, madame et messieurs. Alors voilà. Moi, j'ai très chaud. Je crois que la prochaine fois, on va avoir un ventilateur d'ici. Notre premier gala sur les ondes de TBC. Quel gala spectaculaire. C'est un événement, comme tu as dit, de A à Z. À couper le souffle. Et que dire de la finale de Thunder en face-à-face avec PCO. Et ça nous envoie directement un rendez-vous pour le prochain gala le mois prochain, mon cher TJ. Oui, évidemment aussi des victoires importantes pour Mélanie Havoc contre ici Galavis. Pour évidemment Crimson X contre Gabriel Floyd. Et aussi... For the Glory et les Chums, là, un match de l'année, mesdames, messieurs. Exact. Fait qu'on vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, parce que le 18 novembre prochain, on sera de retour sur TBC, la GPW à Buckingham. Puis en attendant, ben, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est mon tour, là. C'est ton tour? Arriba!